Hey yo! Salut! Ah ouais, l'accueil en bâillant. Quoi? Ah, C'est ma faute, je vois pas les... hey, je vois pas l'écran. ah oui, effectivement, désolé. Juste un peu. Quand tu le vois. Tu sais que sur la chaîne Salut YouTube, Nariel. d'ailleurs, il n'y a pas de lien vers les shorts? Oui, j'ai oublié de les mettre, ok. Ah Bonsoir, Nariel. Non, mais je dis ça comme ça. mais c'est. Faut que je pense à tous les liens. 50 000 liens à penser. Comment vas-tu, Nariel? Bon, bah, du coup, il y a eu, je crois, c'est il y a genre. C'est avant Noël, ça je le sais. C'était en novembre qu'il y a eu une mise à jour sur le jeu, ils ont ajouté un nouveau niveau. Du coup, voilà. Au lieu de faire Escape the Backroom qu'on a depuis maintenant un petit moment, depuis qu'il était en promo, on a rejoué à Inside the Backroom pour le finir à 100%. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y ait un autre niveau qui sorte. Ouais, ils ont sorti les mods, je pense qu'ils vont plus faire beaucoup de mises à jour. Ok. Donc du coup, voilà, le niveau, c'est les Grasslands, et je sais pas du tout ce qu'ils ont mis dedans. Mon intuition me dit que c'est un petit niveau, je sais pas pourquoi. Sais pas, on verra bien. Hein. Mais rarement bien. Oh. Oh. Escape, 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 escape. Ouais, du coup, est-ce que selon les panneaux, on doit s'arrêter ou on doit ralentir? Mais là, regarde, c'est ralentir. Regarde, si tu passes par là. Hop, ralenti. Attends, il y a Ah, quoi? Il y a là, quoi je vais me sur les sauver. murs? Oh, il y a des trucs à l'extérieur. Je me rappelle plus des boutons. Il y a juste courir et s'accroupir. C'est la ville. À l'extérieur, c'est la ville. Ah, F, c'est la lampe torche. J'ai complètement oublié tous les boutons qu'on a. Hein. C'est même Mais je plus. sais plus par contre. Ah! C'est quoi ça? Moi? J'ai R radio. Petit 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 chien! Le chien. Par contre, je sais plus ouvrir mon inventaire et ça, c'est juste embêtant. Ah, c'est I, d'accord. C'est quoi ça, ce truc? J'ai trouvé une machine. Une machine? En gros, vite! Ah non, j'ai trouvé un coffre. Can. On va pouvoir peindre sur les murs. Gelée de papillon. Bizarre qu'il y en ait autant. C'est suspect. Ouais. D'ailleurs, on a quoi dans notre inventaire? On a juste Comme ça. radio, lampe torche, tenue anti-radiation et graffiti du coup. Pas grand-chose. Je me demande si c'est des textures plates, les fleurs, ou si c'est... Attends. Si, c'est des textures plates. J'arrive pas à voir. Ah non, elles sont pliées, non, non. Il y a des textures plates, mais il y en a d'autres qui. Les fleurs sont pliées, par exemple. Tu vois, c'est. Genre, t'as un polygone et t'as que un point du. T'as le point central du polygone qui est relevé. Ouais. Ok, ça va, ça rend relativement bien. Attention, j'appuie sur le bouton. Bip! Boop, Vas-y, appuie sur le bap. bouton. Ça fait même. Ah! Ok. C'est bon. Première énigme passée, fallait faire un certain ordre. Je pense que normalement, t'étais censé regarder, tu sais, sur les murs et tout ça, mais il n'y avait que 4 boutons. Oh. Il y a que 4 boutons, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Oh, Faut se débrouiller. c'était l'énigme la plus dure que j'ai jamais vue. Il y avait 4 boutons quand même. Putain, mais tu cours vite! Fallait Mais. pas que c'est dans ce jeu-là qu'on court super vite là. Oui. On sprint. Oh, c'est pas joli dehors. Il y a un morceau de terre qui dépasse en bas à gauche. Ah, c'est juste des. Ok, ouais, c'est juste des gratte-ciel et puis. Voilà quoi, c'est. Ah! Un papier qui va dire attention, vous allez mourir. Entité 172, un mutant hostile. Forme humanoïde composée de plantes et de racines. Ça se nourrit sur la chair humaine en grande quantité. N'a pas de vision mais est capable d'entendre. Enfin, il a une audition développée. Il entend bien quoi. Il utilise l'environnement à son avantage. Il peut s'y cacher.
et détecter la présence d'autrui à distance et pour lancer des attaques inattendues. C'est un liqueur. Il a recommandé de faire Donc, en attention à gros. son environnement et de se et de d'agir avec discrétion et de se cacher. Ouais, en gros, c'est en fait, c'est un liqueur, mais version plante. Si on est sur de la chasse, alors on s'approche de la proie discrètement accroupie en faisant un maximum de bruit. Ensuite, on fait. Vous savez combien que tu vas avoir peur au premier truc qui va se pointer? Probablement. Et comme je te dis, si t'as trouvé, mon intuition me dit qu'on va speedrunner à ce niveau. Hein. Et on est quand même des experts des niveaux. Hein, c'est. On verra si ton intuition Il y a juste a l'hôtel raison qui nous ou avait. L'hôtel nous avait tenu tête, mais les autres, on les avait fait pas. un. Non, les égouts, ça avait été long quand même. Les égouts, c'est vrai. Mais Ah ouais, fallait par contre, trouver les des égouts. objets, c'était compliqué. Ouais, c'est. Oui, mais les égouts, quoi. Ouais, mais après, l'hôtel, en vrai, on n'a pas. À part les allers-retours, on cherchait des trucs, on a été assez vite, en vrai. Là, on entend tourner en rond le plus, c'est les égouts, je trouve. Ouais, mais les égouts, c'était terrible. Fallait trouver des objets tout petits. C'est vachement une ligne droite pour le moment. Hein. Putain, la lampe torche, elle est pas forte. Hein. Bah, c'est un couloir pour le moment. Qu'est-ce que. Faut pas dans les escaliers. Je pète la gueule dans les escaliers. Imagine, tu meurs comme ça dans les backrooms. C'est nul comme mort. Il y a d'autres morts, quoi. Enfin, pourquoi j'ai eu dans ma tête la pose de Peter Griffin, la pose de mort de Peter Griffin? Je sais pas si tu vois c'est laquelle. Non, je vois pas, non. Il a genre une jambe par-dessus lui qui va vers l'arrière et tout ça. Oh putain, faudrait. T'as vérifié qu'on m'entendait? C'est chiant, Discord. Vas-y, parle un petit coup. Je parle, je dis Non, quelque c'est bon, chose. t'entends. Mais c'est chiant, moi, Discord, il est pas capturé. Enfin, il est de temps en temps, il est pas bien capturé. C'est bloqué par un objet, ok. J'ai hâte de Il y a des dimanche prix. en. Quoi? Il y a des prix. Bon, y a pas que des briques, y a aussi des vieux qui gueulent. Non! Quoi ce cri à la con? C'est un vieux qui s'est rendu compte que sa baguette, elle était pas assez cuite. Non, ça je reconnais, c'est quelqu'un qui est parti sur un Lego, ça s'entend. C'est C'est évident. donc ça la créature. Elle pose des Legos. Non, elle a marché sur un Lego. Normalement, elle est humanoïde, c'est ça? Ouais, l'humanoïde, elle se cache dans son environnement. Donc ça. Ah, mais. Oh, mais on peut se cacher ici. Ah oui, effectivement. Ah, on est devenu du coup on est devenu des personnages de Assassin's Creed ou d'un jeu Ubisoft en fait là. Hein. Ah, non, moi j'aurais dit qu'on était devenu un perso. Planque toi. Non, ils ont pas de vue. J'allais dire, on est devenu des personnages de. Des personnages de Evil Within 2. On est caché dans les buissons. Mais genre tu l'as vu dans le sol? Comment il est sorti? Il est sorti du sol. Et je crois qu'il est pas tout seul d'ailleurs. Bon, il est parti en courant. On a pas l'air d'être très 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 intelligent. Mais à quoi ça me sert de me cacher visuellement d'un truc qui me voit pas? Sais pas. Peut-être qu'ils ont menti et qu'en réalité ils nous voient. Non, parce qu'il vient de passer à peu près à 5 cm de moi. Alors que tu t'étais pas caché? Ah, j'étais caché, mais. Je veux dire, il est quand même traversé vachement en mode. Bizarre, je lève la tête et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se balade à l'extérieur de la serre. Je sais pas ce que c'est comme genre de truc, J'ai mais. trouvé une porte rouge qui est ouverte, secteur 3. Attends. Bah, fais gaffe parce qu'on t'a suivi. Non, non, il me voit pas. Il y a un moche là. Ouh! Je vois pas. Ouh, je te vois! Ah oui, t'es là, ok. Il est entré dans la porte, là, dans le passage. Ouais, il est à droite.
En ville. Mais du coup, je me demande vraiment à quoi ça sert de se cacher dans les hautes herbes, puisque en fait, il voit rien. Bah, je me suis posé la question une fois que j'étais dedans, j'étais en mode, mais attends, mais il est aveugle. Wait a minute. Alors, faut faire gaffe aux plantes au sol, du coup. Ils poussent. Bah, ils peuvent sortir du sol, quoi. Après, il ressemble à une plante carnivore au niveau de sa tête, donc ça doit être assez visible. Encore une autre porte. Attends. Ok. Il arrive. Il arrive. Ne bouge pas. Normalement. Oh. Mais il est aveugle! Bah écoute, faut croire que non. Il est censé être aveugle. Alors, ou alors j'ai mal lu. Mais il est censé être aveugle. Pourquoi il m'a attaqué moi alors que la première personne dans son champ de vision c'était toi en fait? Bah du coup, où est-ce que je peux trouver une porte lumineuse? Je vais ouvrir une porte. Ah bah ici, il y a une porte. À ton avis, est-ce qu'il sait ouvrir des portes? Il est pas aveugle du coup, hein. À moitié. Je vais partir du principe qu'il est qu'à moitié aveugle. Genre, il a juste mauvaise vision. Mais attends, j'ai le do... comment on voit ces documents? Comment on voit les documents? Alors, où est-ce qu'il est les documents? Effet VHS? Oh, qu'est-ce que ça donne? J'ai activé l'effet VHS. Commande. Ah, ici. Ah, est-ce qu'il y a... Non, je ne peux pas voir. On peut plonger avec C. Du coup, on est d'accord que toi, il t'a rien fait. Bah, il m'a pas vu quoi. Il arrive. Wow, l'effet VHS, il est pas joli, hein. Eh, ça ressemble pas à ça une VHS, hein. Pourquoi la lumière, elle fait des effets comme ça? J'admire l'effort, mais putain, la vache. Là... Ah, voilà, c'est bon. Attendez, j'ai un effet VHS sur la. Est-ce qu'on a l'impression. Est-ce que vous avez. Ah, je crois que j'ai fait crasher mon live. Non, ça va. Ça va, le live il tient toujours? Allô? Non mais je demande sur. Il y a quelqu'un qui. Non, j'ai perdu zéro au réseau. Bon, j'ai mis un effet VHS, dites-moi s'il est pas infâme. Hein. Notez-le moi. Maria dit oui. Notez-le sur 10. J'ai retiré le réticule. Hein. On va jouer avec de la difficulté un peu là. Disabled. Voilà, là on est dans le jeu. Du coup. Je crois qu'il va me voir le truc là. Non, ça, bon, il m'a pas vu. J'ai mis le filtre VHS, il est pas joli. Hein. C'est bon, il s'en va. Rien sur Rien sur 10. 10. Comment ça, rien? C'est que tu le remarques pas ou il est nul? Ah, mais il est pas loin. Mmh, il est quasiment aveugle en tout cas. Hein. Mais il est chiant, pourquoi il traîne de mon côté? Ouais, je Et vais du coup, je les vois presque activer. rien. Il est boche. Regardez la différence. Là, le monstre me voit. Bon, je confirme, il est quasiment aveugle, le monstre. Mais comment ça se fait qu'il m'ait vu alors que j'étais planqué derrière un mur, moi? Je pense qu'en fait, il a juste marché jusque toi. Ah non, je t'assure qu'il est venu. Il est venu vers moi direct, hein. Regarde, tu vois, il va passer à côté de moi. Moi, je vais l'ignorer. Il va m'ignorer. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai ouvert un labo derrière moi. Il faudra qu'on y jette un coup d'œil sur le retour. Bah, là-bas, j'ai ouvert une porte quand j'étais morte pour aller ressusciter, donc je vais aller voir ce qu'il y a ici. J'ai ouvert une porte après ma mort. Ah, ils sont plusieurs à l'intérieur, hein.
Ça, ils sont plusieurs. Il y a plusieurs bestioles là. Ah oui. Il faut se mettre dans les plantes pour être discret. En tout cas, ils sont pas réactifs à la lumière. Alors. Oh, il y a un casier derrière, mais je sais pas si c'est pour se planquer. Oh, mais j'imagine que c'est pour se planquer, ouais. Il n'y en a qu'un seul. Non, et l'autre il est rentré dans la terre. Faut esquiver les morceaux de terre du coup. Non, non, je te parle de casier. Ah non, il y en a un deuxième là. Ah oui, ok. Mais comme je te dis, si tu restes assez loin d'eux, ils te captent pas. Je vois un câble qui traverse la carte. Ils sont trois maintenant. Ah oui. J'ai pas vu le troisième. Oh, le troisième il t'arrive dessus. Non, pas. Non, je dirais qu'il vient vers toi maintenant. Pam padam padam padam. Ok. Il fait des bruits de raptor. Il fait ouais, c'est ça, c'est des raptors qui marchent. C'est des raptors. Hein. C'est des raptors, mais végétaux, quoi. Ok, je crois que quand là je marche, ils m'entendent. Pour que ça qui râle. Le problème, c'est le câble où on doit aller est tout en face là, là où il y a le gars. Ok, il m'a sniffé. Toi, t'as fait un saut, il t'a pas couru dessus. Bah écoute, je sais pas, je voulais essayer de l'attirer, mais je sais pas, ça a pas marché des masses. J'ai un, c'est qu'il y a des... Il À quoi tu dis? y a des gros bruits. Parce que l'ennemi, il est là. Putain, j'ai dû... Ok, j'ai réussi à aller jusqu'au... Oh, shit. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un truc? Ah bah disons qu'il m'a enfin... il s'approchait trop de moi. J'en profitais pour changer Ah mon là ouais, truc. j'entends, il fait des bruits de raptor qui a détecté un truc. Voilà parce que là c'était pas ouf le temporel. J'ai pas de soin par contre, c'est chiant. Non, toi non plus parce que j'ai regardé, y en a pas. Non, j'étais en train de me demander si la gelée de papillon, ça fait quoi? C'est le sprint illimité. Ah ouais, ok. Bah on va essayer de faire ça, hein. Non, ça c'est du super slamping. Je veux pas du super slamping. Ok, donc le but c'est d'aller là-bas, dans le coin à droite. Bon, ils sont tous rentrés. Pas où est-ce qu'ils sont partis, ouais, non. Putain, on va avoir le battement de cœur jusqu'à la fin des temps. Hein. Tant qu'on n'a pas de soin, ça fait pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Bonjour. Est-ce que c'est que ce truc? Cassier. C'est des plantes carnivores? Comment ça, des plantes carnivores? Bah, y a des plantes ici, là. Je sais pas ce qu'elles font. Elles ont la bouche ouverte, là, en mode bleh. En mode béquet. Ah, là, ils arrivent. Ok, donc c'est pas tout de suite ici, du coup. Non, je crois pas. Et donc ça, c'est pour plus tard. On retient pour plus tard ici. J'ai un flou dégueulasse qui s'ajoutait, je sais pas d'où il sort. Peut-être le streaming des structures? Non, c'est pas le streaming des textures. On va plutôt aller dans le labo que t'avais trouvé. Ouais, mais je suis en train d'abord de chercher qu'est-ce qui fait que j'ai un effet dégueulasse. Vas-y, vas-y, cherche. J'y vais. Je commence Pourtant, à. mon anti-aliasing temporel est désactivé. Bon, je vais pas pouvoir lutter contre le truc, le jeu va être dégueulasse. Je suis désolé. Je sais pas qu'est-ce qui fait que j'ai cet effet-là. T'aurais pas dû activer le truc, l'option là, tout à l'heure. VHS là? Ouais. Rien que ça soit ça en vrai, t'as raison. A provoqué un bug. Ouais, je pense que c'est l'effet VHS qui reste là. Et c'est pas joli du tout. Bah, c'est dommage quand même d'offrir ce genre de.
Ce genre de performance. Tu es sûr que tu veux pas quitter, revenir? Ouf. Tant que je bouge pas trop la caméra, ça va. Faut juste que je la bouge doucement. De toute façon, j'ai mes battements de cœur qui s'arrêtent jamais, donc. À partir de ce moment-là. La lumière, elle est bizarre. Pourquoi il y a de la lumière qui sort ici et ici alors que c'est la lumière du soleil? T'es où? Je suis juste derrière le caillou là. Ah oui, non, oui, c'est la lumière du soleil. Ouais, c'est. Comme je t'ai dit, mon intuition me dit que ça va être un niveau assez rapide, hein. Je sais pas. En tout cas, il a été fait rapidement. Je suis désolé contre l'élève, hein, mais franchement, là, c'est. J'ai des flashbacks de la troisième carte vers ces backrooms. Y a quoi déjà la troisième carte? En gros, elle est nulle. Genre, à mon avis, il en avait. À mon avis, le dev, il voulait passer à autre chose et il voulait un truc où c'est marqué la fin, comme ça les gens ils arrêtent de l'embêter avec. Ce jeu? Non, pas sur ce jeu-là, Ah, serveur. Ah. sur la chat. Et quoi, c'est les mêmes devs? Non, mais c'est juste, genre, ça me rappelle la même vibe. Alors, je crois qu'on a du. Ouais. On a des trucs de pesticides. Ah, bah c'est ça alors qu'on va Un reprendre. pchit-pchit la plante là. Il y a un casier. Pourquoi j'ai un truc d'interaction ici? Je vise le sol, non? Si t'as une interaction ici. Je veux mon truc qui s'allume comme si j'avais une interaction possible, mais je peux rien y faire. Un truc qui s'allume. Bah mon réticule qui s'allume, genre comme si j'avais une interaction faisable, mais je peux rien faire. Non, j'ai rien. T'as tout cassé? Ah! En tout cas, j'ai regardé le truc de pesticide. Comment ça fonctionne? Tu penses qu'on peut attaquer le monstre avec ça? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut qu'on aille attaquer plutôt la plante. Ouais. Je vais voir si activer un autre effet, genre le grain de film, améliore quelque chose ou pas. Oh putain. Qu'il y a toujours un risque que tu fasses pire que mieux. Faut pas faire pire que ce que j'ai là. Ouais, bon bah je me suis coincé avec un effet dégueulasse. C'est là-bas, c'est le monstre. C'est le monstre, pourquoi il bouge pas? Qui sait ce qui va arriver, regarde. Non, ça bouge pas. Je crois que c'est pas le monstre. Tellement c'est des plantes, hein, normalement. T'as pas capté ta voix Discord pour une raison ou une autre. Pardon? T'avais pas capté ta phrase pour une raison ou une autre Discord. Mon Dieu. Normalement, ah, il y a un nid sur la gauche, attention. Approche trop, j'aime pas. C'est quelqu'un qui souhaite avoir des limites, c'est une certaine intimité, donc en vrai, ça va. Tant que tu respectes cette certaine intimité, il le prend pas trop mal. Ouais. Regarde, j'ai réussi du premier coup. Hein. Hop, et là. Qu'est-ce que tu vas faire, Oe? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va faire plusieurs trucs. Fais gaffe, il y en a un qui vient vers toi. Ben, je sais pas, il. Ah non, il a décidé qu'il allait retourner dans le sol. Très bien. Bah, interagir, mais qu'est-ce que tu veux que j'interagisse? Tu mets du. Non, finalement, il ressort.
Ah, j'étais trop proche, putain. T'as fait quoi? Je l'ai aspergé avec des pesticides, mais. Là, je peux. Ah, il faut un ciseau. Dommage, on n'a pas de ciseaux justement. Il faut faire nettoyer du coup. Là, j'ai Faut tué la empiler plante. le moment où j'arrive quoi. Bon bah on va chercher après un ciseau. T'inquiète pas, j'ai le plus pchit là. Le plus pchit, il a tué la plante, donc si je vise la tête, normalement ça le fait reculer. Un pchit-pchit? Bah, j'ai le. Bon, pour moi c'est juste un bidon, c'est pas très pratique. Ouais. Non, mais regarde, ça fait plus. Oh, il est. Oh putain, le bug, il est infâme. Là, je suis aveugle actuellement. Si je fais ça, je suis aveugle. Alors, vous aimez bien ce Est-ce que tu veux pas quitter? que vous Tu es sûr que tu veux pas quitter et revenir? Allez, ouais, on va peut-être faire ça parce que. Que... Là, franchement, je suis en train. Tu vois les trucs de Windows, tu sais, quand tu jouais de la musique, c'est à peu près ça que j'ai Ouais, c'est ça. visuellement. Bon, je relance le jeu. De toute façon, on est au début. Je vais complètement quitter et revenir sur le jeu, comme ça, moi. Un reset complet ne fera pas de mal à ce jeu. Hop, le reset complet du jeu. Nariel a vomi. Oh non, zut! Est-ce que t'avais pas envie de mettre une musique par-dessus qui faisait Genre une musique dingopique. Putain, oui! Ning 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 Ning. Ning. Je vais héberger très vite. Hop. Grâce. Easy parce qu'on a la flemme de pas de devoir recommencer tout si on meurt. Non, c'était juste horrible. D'accord. Et il voulait même pas vibe. D'accord, Nariel. Il voulait pas vibe. Room is full. Attends, mais. Attends, quoi? J'ai pas mis en privé? Quelqu'un, genre j'ai lancé un truc, j'ai même pas eu 2 secondes avant que quelqu'un arrive à lancer, à rejoindre. Attends, héberger. Ah putain, j'étais en public. Oh, l'autre il s'est dit, ah oh ouais, j'ai réussi à rejoindre quelqu'un et j'ai quitté. Comment ça parle en plus? Ah ouais, oh, et ben tant pis. C'est normalement ce que j'écris en privé. Je vais te dire, waouh, t'as réussi à rejoindre instantanément et en plus t'as un stream. Non. Ok, on se rappelle. De toute façon, là on n'a pas besoin d'aller dans le truc à gauche, du coup on sait qu'il n'y a rien. À part le pchipchit. Vient de l'ordre. Oh, la porte, elle est encore ouverte. Non, regarde. Elle a moitié ouverte. Ouais, bon, allez, voilà quoi. Ok, c'est complètement randomisé. Ici, il y a le Psrekan. Hop. Hop, hop. Dire que j'avais regardé du speedrun sur ce jeu-là parce que je voulais voir si c'était cool. Ah, Ouais. et du coup? Il y avait des trucs sympas visuellement, mais le problème, c'est que la méthode de glitch de traverser les murs, elle était basée un peu sur la chance. Du coup, c'était Ah. pas fun. Un jour, je ferai du speedrun, hein. Penumbra, j'ai l'impression que c'est vraiment The Candidat. Il est stylé visuellement tout en ayant des trucs assez sympatoches. C'est dingue, hein, mais les trucs de. Attends, je vais relire, je croyais bien qu'il était aveugle. Il lag vision. S'il lag vision, comment il te voit? Chance J'en qu'il. sais rien, je sais pas, j'ai pas eu de chance peut-être. Non, mais moi aussi il m'a vu, mais je pense que lag vision, ça veut dire il voit pas bien. Il est malvoyant, il est pas aveugle. Ou alors,
Il nous entend respirer quand il est trop pro... quand on est trop proche de lui. Abusé. Bah, en tout cas, c'est la seule explication que j'ai, hein, parce que. On peut pas courir dans les escaliers? On est obligé de sauter. Non, moi je sautais pas, je rebondissais. Ouais, moi aussi. Et donc, à partir du moment, ils peuvent spawner. Mais ouais, j'avais regardé du speedrun sur le jeu, hein. Et ouais, non, c'était beaucoup trop hasardeux pour que ça soit fun. Ça veut dire qu'il manque de vision. Traduit comme ça, oui. Je pense que ça veut dire qu'il est malvoyant. Non, lag vision, c'est normalement, c'est qu'il a pas de vue, c'est pour ça que je te disais qu'il était aveugle. Après, il a pas. Je pense pas avoir vu des yeux sur sa tête. Bah non, c'est une Une plante. visière de tête. On sait jamais, hein, tu sais, c'est un humanoïde. Ah mais c'est une plante carnivore sa tête. Hein. Ah non mais non, je voulais dire dans le cas, sa tête est une plante. Oui. Genre littéralement, c'est une plante. Oui, mais c'est une plante. On va dire c'est un humanoïde végétal. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Une plante. Attention, c'est un piège. C'est une mine. Là aussi c'est une mine, attention. Ah, un papier. À ton avis, qu'est-ce qu'il dit? Je te laisse ce mot au cas où je ne reviendrai pas. Je suis sur le point d'entrer dans le labyrinthe à la recherche du trésor et de la sortie. Je sais qu'il y a deux sorties, enfin trois si on compte cette entrée. Au revoir. Au revoir. Il y a un monstre. Attends, il y a des trucs à ouvrir ici. Du gelée, de l'eau d'amande et gelée. Bah, prends le sang, voilà. Regarde, il y a un vélociraptor. C'est, en fait, c'est un teaser qui développe le jeu Jurassic Park, là. Bon, bah, je vais dans le labyrinthe. Bah, je vais venir avec toi du coup. So long! Le trésor, c'est les ciseaux? Ça doit être ça, c'est le fameux trésor, les beaux ciseaux. C'est les trésors, mais selon les jeux télévisés, t'sais. Vous avez gagné un magnifique dictionnaire, Oh Robert. putain, non, j'aimerais pas du tout que ce soit ça le cas, le trésor du labyrinthe, un dictionnaire Larousse. Un dictionnaire Larousse sur les labyrinthes. La version 2024, tout juste fraîchement sortie. Moi, je pense que t'es pas obligé d'être comme ça, hein. Tu peux te lever. On va à la même vitesse. Oui, c'est vrai. Attends. Quasiment. Bébé. C'est tellement un labyrinthe que j'ai l'impression. Ah mais si je voulais jouer à un labyrinthe, j'allais sur Labyrinthide en fait. Mais c'est pas un labyrinthe, il n'y a qu'un seul chemin pour l'instant. Non, il y en a un deuxième. Bon alors, tu sais ce que Terrace et Didi à chaque fois qu'il y a un labyrinthe? Putain, j'y ai pensé! Mais saviez-vous? Écoute, pour une fois, il n'y a que dans ce genre de circonstances qu'on peut placer ce genre de truc. Vrai, c'est vrai, il faut suivre le mur droit. J'ai trouvé un caisson. Il y a des ciseaux dedans, je parie. Non mais putain, non mais. Je suis désolé le contrôle dev, mais là, un labyrinthe, une map toute plate, que des murs simples. Le sol, c'est de la terre, sûrement en bundle. Je suis désolé, mais c'est le niveau de la flemme, ça, je reconnais. Je le sniffe, là, je reconnais le map. Ça, c'est une map VRChat. Je te jure, sur VRChat, il y a des cartes comme ça. Hein. Ah bah je te crois, hein, je te crois. Y en a même eu avec des bébés géants. Enfin, pas des bébés, mais tu sais, des. Oh là là, regarde, c'est si on a. Ah mon Dieu, c'était tellement dur de trouver cette porte. Ouais, mais elle est fermée. Et on... Ah putain! Il faut les ciseaux et l'insecticide. L'insecticide, ouais. Est-ce qu'on Bah n'irait attends, pas il y a chercher peut-être. l'insecticide avant de continuer? Parce qu'en vrai, je sens que il va nous demander l'insecticide à tout moment. Ah non, il faut les ciseaux pour ça juste. Ouais, c'est marqué interagir et rien d'autre. Je peux rien faire. Ici, ouais, non, Ah, tu vois, tu peux pas. Ouais, même avec tes mains, mais genre avec tes mains, tu peux pas arracher ça, quoi. sais pas. J'ai peur qu'on ait besoin d'un pesticide là.
Dans le labyrinthe. Est-ce qu'on va pas chercher l'insecticide? Bon, bah allez, on va chercher le. C'est pas un insecticide. Je crois pas que ce soit un insecticide. C'est un insecticide, c'est un pesticide, pardon. Pardon. C'est pas un pesticide. Les pesticides, c'est contre les maladies. Là, on tue une plante. Donc, c'est plutôt un. Un planticide. Un planticide, un botanicide, je sais pas. On Quand n'est tu pas allé au bout sautes. ici, hein. Oui, Merci. mais c'est parce que justement, c'est un labyrinthe et là-bas, c'est plus. Bon, bah, au revoir. D'accord. Non, c'est bon, regarde, je suis bien. Je voulais juste voir s'il y avait un mur, c'est tout. Je t'ai vu disparaître au loin. Un ennemi juste en face. Au fond, là-bas. Ah ouais. Satan. Moi non. Bien Regarde, il s'en va. parti. Parti. Mais oui, t'inquiète pas, il est con comme un balai. Pas du tout utiliser ce clip-là pour tester une méthode que je voudrais utiliser sur des vidéos quand on voit pas un truc au loin mais qu'on le voit bouger. Parce que récemment, j'ai appris comment faire de l'extraction de mouvement. C'est tout court en fait, c'est tu poses juste. Tu prends ta vidéo, tu la mets au-dessus. Tu la dupliques, tu la mets au-dessus en quelques. Juste au-dessus. Tu l'inverses et tu réduis sa transparence par 50% et tu la décales un tout petit peu. Et du coup, ce décalage va faire que tout est gris sauf le mouvement. Et regarde, on va pas mourir de. Ça t'a coupé, mais. Ça t'a coupé. Toi aussi. Il y a Discord qui te censure. Mais les Discord, ils sont sur aussi. Mais du coup, elle disait qu'elle avait trouvé du blé. Au cas où, dans le chat, vous avez pas eu la blague. C'est pas une blague, j'ai trouvé du blé. J'ai pas pu le ramasser, mais j'ai trouvé du blé. C'était un blé pour Oh, un attends, PNJ. pourquoi ma caméra elle est si basse quand t'accroupis? Genre, ma caméra. Attends. Bouge pas. Droit du sol. Fais-moi face. Non mais je suis au niveau de ton torse, y'a un problème. Yeux. Mais je suis au niveau de ton torse, c'est quoi ce délire? T'es trop louche. On Alors? dirait que t'as pas dormi ou que je sais pas, t'as des yeux super rouges. Oh. Non, Ah mais je t'assure, il faut que tu vois ta tronche, hein. je peux pas, j'ai pas de miroir ici. Tu sais, quand en tant que flic, tu trouves des stupéfiants, t'es pas supposé les Non mais. consommer. Hein. Attends, surtout, je vais devoir être debout parce que si je suis derrière toi et que je suis accroupi, je vois. T'as quasiment le cul levé, quoi. Regarde. Toi, non. Bah, je te jure, toi, t'as le cul levé et t'as une mini-jupe. Je te jure, Twitch, il va pas être content. Hein. Toi, t'as des fesses plates. Voilà. Je croyais qu'il y avait un ennemi qui s'approchait à droite. Tu sais, je regardais dans les yeux et je le voyais pas. Oh, mais attends, on n'est jamais vu ici. On n'était jamais venu ici! Je vais me cacher dans des buissons. Je suis caché. T'es censé être sourd aveugle! Ah! Ah non, non, il est pas sourd. Ah! Au contraire. Ah, au secours, ah. Ah! Il t'a mangé. Je crois que j'ai été dégusté. Ah, il est un petit peu. Il est un peu trigger là du coup, mais non, c'est bon, il s'en va. Elle est en train de Il faire. cherchait, il cherchait, il regardait, il voulait voir s'il n'y avait pas autre chose à becquer, mais j'étais caché dans les buissons. À la porte. Bah oui, je me disais bien que la porte était par là. Hop. Salut. Salut! Ok, donc du coup par là, il y avait d'autres trucs. Vous voulez aller où? Bah là déjà, en fait, je viens de voir qu'il y avait des trucs ici. Il y a un grand 2 ou un Z, je sais pas ce que ça veut dire. Ou alors c'est un zigzag, tu sais, c'est tout en haut, on fait la diagonale, puis tout en bas. Moi, c'est un 2. Il y a un Ça truc. ressemble beaucoup à un 2. Je vois rien. Y a rien? Vide. Que dalle! Oh. Il y a une autre boîte ici. Putain, la boîte, elle est posée à l'arrache. Encore des trucs. Mais il veut qu'on sprint, hein. Croire. Bam. La chose qu'il y avait dans ce coffre, c'était notre déception. Dis, est-ce que si. Ah non, ça fait 45 minutes. J'allais demander si tu voulais qu'on fasse plutôt Escape from the Backroom.
Pourquoi mon intuition me dit que c'est un niveau pas ouf celui-là? Il dit qu'il n'allait pas durer longtemps. Allez, ouais, on speedrun. Regarde, là on a déjà trouvé un ennemi. Hop, on récupère sa note. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, Alors, on a. sûrement. Putain, la vache, ça n'a pas été traduit. La valise, je n'ai pas pu l'obtenir. J'ai essayé de trouver le code, mais mes blessures m'ont envahi. Comment ça, t'ont envahi? Le premier numéro est dans le secteur 5, deuxième numéro est dans cette pièce. Le troisième numéro est inconnu, il doit être à l'entrée. Ah, le troisième numéro est à l'entrée du labyrinthe, ou la pièce de stockage. Et le quatrième est à deviner. Ok, donc secteur Il y a un 2. 5. Alors, c'est Et du coup, quelque c'est nul. chose de. On sait pas, et ensuite c'est inconnu. Ok. Donc on sait que le deuxième chiffre c'est 2. Quelque chose de. J'ai bien fait on a bien fait de venir ici parce que le code. C'est vrai. Il y a le secteur 5. Ok, maintenant il faut qu'on aille à l'entrée du labyrinthe. C'est là où on Ah, trouvera c'est l'autre. secteur 3. Secteur 5, c'est où? C'est pas là où il y a tous les dangers là. Pas derrière la porte, par hasard, le secteur 5. Je veux pas qu'on aille chercher l'insecticide là où je sais pas quoi. Bah, Le c'est là où poison. j'ai. Ouais. Le Le planticide. planticide, ouais. Secteur 5. Putain. Ah, j'ai pas de chance. Putain! J'ai fait toutes les combinaisons quasiment. Oh, je l'ai fait dans ma tête, et moi je l'avais trouvé avant toi. Merde. Alors, secteur 5. C'est où le secteur 5? C'est pas ici, je crois. Bon, l'insecticide, il est sur l'armoire là, il faut pas hésiter à le prendre. Et déjà de l'antisecticide. Ok, putain. Et C'est quoi? 6. C'est encore une fois d'un truc de la gelée là? Pourquoi je peux pas l'ouvrir ce truc-là, c'est stressant. Moi, pour moi, tu peux pas l'ouvrir tout court, hein. Oh. Non, mais en vrai, tu peux marcher debout, hein. J'ai l'impression que faut juste pas courir. Ça change rien, tu crois? Bah, je sais pas. Vu qu'on se dépasse pas plus vite et qu'on fait pas plus de son. Hein. Ah si si, on fait plus de son. Regarde. Écoute quand tu marches et écoute quand tu accroupis. Pas raison. Non, il n'y a rien ici. Ah, si, peut-être le secteur. Le numéro. Secteur 5, je crois, c'est par là. Je crois pas qu'il y avait de numéro ici. Il y a un truc qui a fait. Mais je suis pas sûre. Oh, là-bas, là. Ah, du béton à l'air. Béton? Béton brutal? Speedrun, course, saut, chute violente. Secteur 5 ici. Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est ici? Ouais. Je crois que le secteur 5, il est derrière la porte. Ouais, on va aller au labyrinthe. Qu'est-ce qui est pas ouf, l'intuition ou le niveau ou les deux? Ah mais attends, ça va être le test de vérité. L'instant de vérité. Le niveau est pas ouf, apparemment.
Toi qui m'as vu. Donc, est-ce que tu voudrais continuer à le faire si on sait Je qui. l'ai vu. Bon, moi, je vais vers le début du labyrinthe, je t'attendrai là-bas. Regardez les plantes carnivores. Il est trop con. Il m'a perdu de vue parce que je suis allé dans la plante. Alors qu'il est censé utiliser l'odorat. Oh, c'est bon, il m'a perdu de vue aussi. J'ai beau bouffer un truc, j'ai beau bouffer un truc de comment ça s'appelle? D'amande juste sous ton pif, il sent rien. J'ai tué un des trucs, une des plantes carnivores. Je sais pas ce que ça fait. Elle est Tu veux morte. dire un des ennemis? Non, une plante carnivore qui était au sol, je l'ai butée. Quoi que ça veut dire. Je tue. Attends, je vais nettoyer en attendant le champ. Je vois des plantes carnivores, j'ai pchit. Oh, me dis pas que ça ouvre des portes au hasard. Attends, je vais pchit un des trucs. Ok, ils en ont rien à faire, ceux qui sont debout. Non, fais gaffe, y en a un qui te court après là. Dans les chambres derrière. Salut Exia. Mais qu'est-ce que tu veux dire par dedans les chambres de derrière? Salut Exia. Backroom. Les pièces de l'arrière. Voilà. Ah oui. J'allais dire les coulisses, mais bon. Ah, entrée du labyrinthe, c'est 1. Donc c'est numéro inconnu, 2-1. En Ou alors vrai, c'est un ouais, c'est 7. C'est un 1 ça ou c'est un 7? Bon, c'est vachement un 1 quand même. Et en vrai, oui, avec juste ces codes-là, on peut techniquement passer, hein. Oui, mais traduit comme un film québécois. Ok. Bienvenue dans Backroom 1, ou aussi appelé dans les siestes arrière. Comment vas-tu, Exia? Je vais t'attendre dans le labyrinthe. En vrai. Là, j'étais en train de foncer tête baissée dans le labyrinthe, mais. Ah bon, moi je retourne à la valise. La valise, on n'a pas trouvé de valise. Bah si, c'est à ouvrir avec le code. Une valise avec un code? Bah c'est quoi, ça sert à quoi le code? C'est pourquoi? Bah, je sais pas, justement. Je sais juste que sur un papier, c'était marqué la valise. Et que ça disait que le code, c'était ça. Je sais Bah pas où attends, elle est, la je. valise, moi. Bah je reviens. Bah, je t'attends au labyrinthe. Ça, c'est un niveau du truc, franchement, c'est abusé, le gars. Quand t'as la flemme, là, je vois les plantes au-dessus, c'est là d'où on vient, putain. T'as la flemme dans ce niveau. On dirait les niveaux de forge qu'on fait, que je faisais, moi. Genre les trucs comme ça, là. Sauf que moi, je mettais pas des piliers. Ouais, vous deux, mais je suis fatiguée, etc. J'ai du soin sur maintenant. Bon, bah, on aura l'orange tout du long. Je vais mettre un truc sur le mur. Réfléchissons. Ah, je peux écrire. De quoi tu parles là? Non, tu peux. T'as un, deux et c'est tout. D'accord. C'est par où déjà le. Je sais toujours pas pourquoi il y a un nombre d'utilisations sur ce truc. Le labyrinthe. J'arrive. Oh là-bas. Salut Aïsou, apparemment on m'entend très peu. Ah, alors, le son d'Elodie. Montez le son d'Elodie. Voilà. Après, je pense que c'est parce que Discord a essayé de me censurer. Non, non, mais ta voix est très basse pour Discord, je sais pas pourquoi. Ouais. J'en ai marre de des trucs qui changent sans aucune raison sur les sons. Hein. Mettre un plus 20 dans les dents. Attention à vos tympans! Tu m'en diras. Vas-y, parle un petit coup. Je parle un petit coup. Je cherche le labyrinthe. Voilà. Où est le labyrinthe? Là, on va t'entendre beaucoup mieux, du Oh, il y coup. a un genre d'église là-bas. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais. Voilà. Moi, je me cale au même son. Voilà, nickel. Voilà, là, on nous entend bien. Ah, tu t'es perdu? Non. Pourquoi tu hurles alors? Oh, regardez, il y a la Bah, porte qui dépasse en haut! j'ai pas hurlé, qu'est-ce que tu racontes?
Comment va Aizu? Ah ouais, non mais c'est vraiment au niveau de la flemme. Il y a une porte qui dépasse au niveau d'un des endroits. Ok, mais ça me dit pas où est le labyrinthe et où est-ce que tu es par la même occasion. J'arrive, il y a que trois portes dans cet endroit. Hein. Comment t'as pu perdre les... Et les trois portes sont alignées en plus. Merde, c'est bon. Là. Merci. Il y a trois portes. Trois portes. Regarde derrière au-dessus, et la porte là ici, tu peux la voir. Et si tu te mets là, tu vois la porte qui est ouverte en haut. Ah oui, ah ouais, ok. Ouais, ça te dit que je te dis, c'est, je l'ai senti, c'est un niveau de la flemme ça. Super bien, et bah tant mieux, Xia, tant mieux. Alors le pchipchit. Pchipchit. Toujours suivre la droite, de toute façon. Je dois le prendre moi aussi, ou bien on... parce que... Bon, je sais pas, tu peux ne pas prendre le pchipchit si tu veux. Hein. Je vais pchipchit la plante là-bas, voir ce que ça donne, et puis on continue. Moi je parie qu'il faut les ciseaux. Ça. Ouais. Là, j'ai bien pchipchit et ça a pas... Merde. J'ai bien pchipchit et ça a pas fonctionné. Mais Oh, les... ça va, hein. Mais ça va, on t'a juste dit que c'était deux petits bitonios. Putain. Qu'est-ce qu'il crie comme ça là? Et la lune, là. Oh, on C'est le jeu arrive de la dans une flemme. église! Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas le jeu de la flemme, c'est juste ce niveau-là, c'est le jeu de la flemme. Il y a un vélociraptor quelque part là. Il est derrière Attends. le mur, je l'ai averti à travers le mur. Secteur 12. Encore un truc à pchipchit. Ouais. Mais rien, le truc de pchipchit, il fait rien. Hein. Enfin, il va faire disparaître les plantes carnivores. Quand ça veut. Alors, des fois, ça va faire disparaître les Ah, plantes punaise, carnivores. attends, il y a le flou cinétique, je vais l'enlever. Allez, les plantes carnivores, on meurt. Voilà. Mouvement de caméra fluide, oui. Il est où le flou cinétique là? Ouais, tu vois, mais... Vas-y, mais faites pas genre, je sais très bien qu'il est là. Ok, il nous faut les ciseaux. Été graphien. Ok, oui. Faut des ciseaux encore. Je sais pas où est le flou cinétique. Échappe, paramètres. Et c'est... Il n'y en a pas. Enfin, pas de Super. réglable en tout cas. Ok, bon, bah écoute. Soin. Je vais pouvoir enfin retirer cet écran qui est chiant. Moi, je veux entrer dans l'église. Ah ah ah. On a une entrée ici. Chipshit. Attends, faut que le truc le détecte. Voilà. Généralement, ça prend du temps. C'est bloqué par un objet, très bien. Oh, c'est relou. Bon, pas ici. On va pas aller dans l'église pour le moment. Oh, mon ombre, comment elle... Oh, elle court, mon ombre. Je garde, je cours en avant. Ah, Miloulou ben bon, ça y est, j'ai plus de... commence à comprendre pourquoi on a autant de trucs pour courir à l'infini. Avant, t'en as juste marre. Attends, j'attends juste qu'elle se calme, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais non, j'ai besoin d'un truc pour... Ah non! Ta santé mentale est descendue? Oui. T'as vu de l'eau d'amande? Non, c'était Pas des de l'eau pilules. d'amande, c'est des cachets qu'il faut, mais on n'a pas de cachet. On n'a jamais trouvé de cachet, même. Pas dans ce niveau-là, non. Ah, oh, ça va être relou. Alors. C'est ce qui est chiant. C'est que je dois cliquer, en fait, exactement au bon endroit pour la tuer. C'est pas je dois Ouais. spread, c'est je dois cliquer au bon endroit. Ouais, genre, ouais. Fais gaffe, il y a un raptor. Où est-ce qu'il est? Okay. Bon, ça va, il est derrière le mur. Ouais.
C'est pour ça que je vois flou, en fait. C'est parce que je crois que c'est parce qu'en fait, j'ai une mauvaise santé mentale. Du coup, je vois flou. Ah, mais oui. Quoi? Bon, bah tant pis. Planque-toi dans la plante! Je suis plus là! Vas-y, fais gaffe! Je suis plus là! Casse-toi! Casse-toi! Le mental était pas vraiment en bon. Donc, bon. C'est vraiment pas sympa, hein. Ah non, mais c'est abusé! T'as vu? Bah oui! Regardez ce qu'il y a dans le. Loin du coup. Alors, trouver une porte lumineuse. Non mais tu sais ce qu'en. Non mais ça. T'es sûr que tu veux pas qu'on aille sur le jeu? Ben, comme tu veux, mais ça me refait installer un truc, désinstaller le truc. Parce que là c'est vraiment juste un labyrinthe en fait, y a pas de fun. Bah écoute. Vraiment juste un gros labyrinthe. Il est pas ouf du tout, je suis désolé. J'aurais dû checker niveau à quoi il ressemblait. Bon bah on va aller sur un jeu bien mieux. Moi, j'ai l'impression que tu avais quand même plus de. Comment dire? Je me demande si tu avais pas plus de patience avant. Ouais non mais là, en fait j'ai de la patience, mais quand je joue à un niveau comme ça, tu vois, j'ai autant de patience que le dev, c'est-à-dire 10 minutes. Que tu vois, si une map, je me dis j'aurais pu la faire dans Forge, c'est pas bon signe. Moi, je désinstalle l'inside de backroom du coup. Ouais. Le fait qu'on ait eu. C'est genre vraiment, là c'est juste un labyrinthe. Et c'est lequel que je dois installer? Escape the backroom. Ouais, parce que là vraiment en vrai, il y avait quoi? Il y avait rien. Je jure que c'était juste un labyrinthe. J'ai couru dedans, t'avais un labyrinthe. Et pas de truc intéressant. Tu sais que j'étais dedans aussi, donc je sais de quoi tu parles. Ouais, mais je veux dire, je suis allé plus en profondeur, tu vois, j'ai couru vers le labyrinthe, tu vois, dedans. J'ai voulu voir vite fait ce que quoi ça ressemblait avant de mourir et j'ai vu la gueule du truc, bah c'est un labyrinthe quoi. Labyrinthe avec des murs bleus, enfin des murs bleus, qu'est-ce que je raconte? Des murs gris. Il n'y a même pas l'aspect backroom quoi. J'attends qu'il s'installe. Ouais, est-ce que t'as une anecdote à lancer? Oh! Moi j'ai une anecdote. Alors attends, je la partage avec le chat parce qu'ils ont le droit d'avoir l'anecdote aussi. Mais faut que je partage. Et comment je peux te le montrer? Bon, je vais juste envoyer la photo sur Discord. Et enfin, je vais partager mon écran pour le chat et je vais envoyer la photo sur Discord, comme ça tu verras. Attends. Final, Ali avait raison. Désolé, ça me fait. On le boit parce que personne, bah personne nous a fait boire. Hein. J'avoue, t'as pas le droit de boire. Alors, donc du coup, le chat. Non, bah non, j'ai bu, tant pis. Hein. Mobile Je vais pas me laisser City. mourir de soif parce que Gentil. j'ai un chat qui ne fait pas attention à notre santé. Ah putain, c'est celui-là. Alors, hier, enfin non, pas hier, avant-hier, je sais plus. Ouais, je crois que c'était avant-hier. Genre, j'étais en train de faire de l'inventaire dans les jouets, tu vois. Je suis arrivé dans les Playmobil. Donc, tranquille, comme d'hab, je fais les boîtes. Et d'un coup, je vois un des trucs. La tête du Playmobil. La voilà. Ah, mais non, mais attends, il faut que je l'envoie à Elodie, elle le voit pas. Bah non, tu l'as pas envoyé sur Discord non plus en plus. Elle est pas envoyée sur le Discord. Où est-ce qu'il est, le Discord? Attendez, peut-être plus rapide. Chercher sur. Je vais mettre dans Média. Hop. Oh, regarde la gueule du Playmobil. Oh punaise, mais c'est quoi ça? J'ai. Attends, c'est une vraie publicité Mais ou... c'est sur une boîte? Genre, c'est sur une vraie boîte. Attends, je t'envoie la boîte. Et ce qui est marrant. Est-ce que c'est marqué sur celui-là? Non. Mais sur la vraie boîte, dans le magasin, sur le côté, je crois, sur un des. Ah bah, c'est marqué dessus. Sur le haut, t'as un gros YouTube. Mais le vieux logo de YouTube. Genre, regarde, sur le haut de la boîte, t'as un vieux logo de YouTube. Ah ouais.
Genre, j'ai vu le truc, il faisait sa gueule, peut-être j'ai poupé de rire discrètement. Genre, j'entendais, je voyais le truc, je l'imaginais en mode ah. Mais pourquoi ils ont foutu le logo de YouTube dessus de toute façon? Je crois qu'ils ont une chaîne YouTube en fait. Et mobile? Oui. Ouais, ça m'étonnerait pas. Genre les dentistes, dans leur cabinet, ils ont une armoire qui a une forme de dent, quoi. Mais oui, bien sûr. Non, mais t'as vu, mais c'est cliché. C'est complètement cliché. Mais le pire, c'est que d'habitude, genre tous les Playmobil, ils ont tous le même sourire. Regarde, là, ça va être une... là, c'est une autre boîte. Non, Non, ça c'est pas un sourire. parce que regarde, là, normalement, tu vois, ils ont tous une gueule comme ça, les Playmobil. Genre, ils ont tous la même gueule. Et là, t'as celui-là, genre, dans le tas, il gueule. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de crever. Attends. Attends, mais par contre, j'étais en train de me... Je regarde la boîte et en fait, la part en forme de dent, c'est un truc pour ranger ses dents. Ouais. Je sais pas, ils disent de mettre une dent dans l'armoire en forme de dent. Oui, c'est tu peux mettre la dent dans l'armoire à dents. Non, c'est pour les gamins qui perdent leurs dents. Ah, c'est ça. Mets dans ton armoire à dents, tu le mets sous ton oreiller. Normalement, si tout se passe bien, la fée Playmobil va venir. Et bon. Elle va te prendre ta dent. On va profiter pour mettre une image de fond quand on n'a pas de jeu. Qu'est-ce que je peux mettre comme image de fond? Notre bannière, peut-être? Ça s'installe toi aussi ou bien tu... Oh, c'est installé, pardon, j'ai pas vu. J'ai installé, moi. Moi non, moi j'attends encore. Attends encore. Même connexion. Que ce soit installé. Bah écoute, tu diras ça. En vrai, oui. Attends, comment ça, en vrai, oui? Je pense qu'elle disait ça pour le truc de la commode en forme de dent. Mais non, je pense pas, hein. Et sinon, je suis à 68%, donc si t'as des réclamations Mais à attends, faire au what the niveau de la fuck? connexion. Mais comment ça se fait que j'ai réussi à le passer? Le passé? Bah, j'ai déjà installé le jeu à 100%. J'en sais rien. Elle va faire grève. En attendant, je l'ai préparé. Alors, normalement, celui-là est bien. De souvenir, il est très cool. 76. Ok, moi je vais régler le son. Est-ce qu'on se... Ah non, on se met pas avec le son. Mon dentiste, quand j'étais gosse, en avait une. VHS, montrer le Bah corps. écoute, ça doit être l'exception parce que moi perso, mon dentiste, il a jamais eu ça. Parce qu'un dentiste m'a sûrement tué 3 fois et je suis revenu à la vie à chaque fois. Il était en mode. Non, Dieu! Attends, aïe, pas plus. Appliqué. Le film VHS, il donne quoi sur celui-là? Parce que là, c'est la version normalement un peu mieux du. 88. Effet VHS. Bah, je vais laisser l'effet VHS parce que je le remarque pas, donc c'est plutôt bon signe. Créer 2 joueurs max, serveur privé. Créer. Nom de la sauvegarde. Outside the backroom. Outside. Oui, sad. 95. Outside the backroom. Voilà, comme ça on est sorti et on est re-rentré dedans. Bon, ça se fait que j'ai une bonne com. Je sais C'est pas pas. logique. T'as peut-être une imitation. Je mets en... Attends. Tous les joueurs vivants doivent trouver la sortie. Si un joueur est tué, il devient spectateur du joueur suivant. Le niveau facile peut fournir un... Il y a peu de... Ok. Le jeu easy, seule personne doit trouver. Ouais, il me demande, il y a le pare-feu Windows qui a bloqué certaines fonctionnalités. Tu es autorisé ou pas? Oui, tu dois autoriser, pardon. Merci. J'étais en train de lire ce qu'il me disait là. Ok, normal. On va mettre en normal, il n'y a pas de limitation de vie quand on meurt. Alors le chat, il est gigantesque. Comment avec un chat gigantesque. Ah, mais j'aurais pu régler ton son directement sur. Bon, du coup, là, normalement, on a le fun avec ce jeu-là. Normalement. Invite tes amis.
Pour imiter, il fonctionne pas. Le fun. Ça commence bien, je peux même pas t'inviter. Attends, quoi? Attends, je vais voir si je peux pas te rejoindre autrement, peut-être. HDM. Je vais aller dans là. Je vais aller là dans mes contacts. Là. Et je peux pas te rejoindre. En tout cas, il n'y a pas de truc. Yeah. Bon, il fonctionne pas. Il n'y a pas un truc directement. Si, mais il fonctionnait pas quand j'ai cliqué dessus. Ah bah c'est ouais, c'est le fun du coup. Ouh, le fun! En multi, est-ce que je peux faire. Ciao. Game. Alors, rafraîchir la liste, j'ai quoi? Attends, mais ça va pas m'afficher. Hein. Je peux toujours pas t'inviter. Est-ce que je peux t'inviter avec Discord, avec Steam? Je peux pas t'inviter? Quoi le nom du serveur? Attends, je vais J'avoue. faire commencer. Nom de sauvegarde doit faire entre 1 et 16. Ah, c'est peut-être pour. Je vais juste mettre outside. Et ça fait quoi commencer? Non, mais non! C'était la partie. Ok, bon, bah, va falloir que t'essayes de choper mon serveur. Ah, c'est pour ça que je demandais le nom en fait. Ok. Le nom, je sais pas où il affichait le nom. Je vais mettre Isha et puis. Qu'est-ce que tu peux me voir là? Ah, c'est bon, je suis trouvée. Je vais t'inviter dans le lobby, ce coup-là. Ok. Ok, bon bah si t'es prête, go. Tolang. Ok. Ok, c'est parti. Jouer à travers Nidoo dans l'ordre avec un groupe d'amis, maximum 4 joueurs. Maximum 4 joueurs. C'est l'effet VHS qui fait ça, c'est vraiment j'ai du 4 tiers de base. Mais c'est. Attends. Ah! Ouais, c'est pas ouf. Oh punaise, non, c'est. Attends, ça va pas, c'est du QWERTY. C'est. Par contre, paramètres, touche. Ok, on doit trouver le truc. Est-ce qu'on a de l'inventaire? Échappe, c'est ça. Pour m'incliner. Il y a mon cerveau dedans. Yo tout le monde! Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attends, je te vois, mais 2 minutes, j'essaie de. Attends, pour avancer, moi, ce que je veux, c'est avancer. Interagir, pencher à droite, pencher à gauche, sprint, accroupir, parler, liste des joueurs, inventaire. On interagit CF. Pour avancer! Quand je fais Z, ça fait rien, pourquoi? Moi c'est W. Ok, c'est sur la touche D qu'il faut que je dégage. Dieu. Pourquoi? Attends. Mais non, touche. Mais il n'y a pas de touche D. Le truc de chat en bas, elle est stressant. UEF DI 1, 2, 3, C. On Ok, mais danse. non, D en fait. D. Pourquoi je peux pas. Elle est où la touche pour avancer? La touche pour avancer, c'est sur W normalement. Ah non, moi j'ai soit S pour reculer, D pour avancer. Attends, S. Mais c'est quoi ça? Ça c'est pour prendre, je pense, c'est. Ok, ouais. J'avoue, c'est. C'est W, ouais, mais j'ai pas de W sur les touches. Mais attends, c'est quoi ce délire? C'est vrai, il y a. Ok, on va peut-être pas jouer à ce jeu-là non plus. Il y avait Oh pas. punaise, mais qu'est-ce que faire? Mais c'est terrible qu'il y ait pas. J'avais pas tiqué, mais oui, il y a pas les touches pour changer. Pour changer les directions. Qui fait ça? Bon, bah, je le ferai en solo en speedrun ou pas du tout, je sais pas. Terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Une terrible soirée. Pour ça. Êtes-vous sûr de vouloir quitter le jeu? Bah ouais. Que vous entendez pas, mais là, elle a mis quasiment un coup de tête au développeur au passage. Hein. C'est
Non mais c'est ridicule, franchement, de nos jours, qui fait ça? Les mauvais Vas-y, devs. dégage, je veux désinstaller, vas-y, casse-toi. Est-ce que tu veux te défouler en jouant à Earth Defense Force ou à Left 4 Dead 2? Attends. Laisse-moi réfléchir. Je vais mettre pas ouf la soirée en titre. La possibilité converti ou azerty avec de tout. Exactitude de thé! Alors, Exia, oui, mais après, faut penser que toutes les autres touches sont switchées aussi. Vas-y, je vais aller sur le Ford. On va aller sur le Ford Dead en plus, il est installé. Ça, c'est un jeu. Au moins, c'est un jeu qui fonctionne. Je veux dire, là, est-ce que des gens veulent venir sur Left 4 Dead? On a deux places. Oui. La soirée qui part de jeu à Backroom à Left 4 Dead. Ça en change plus que deux. Là, on voit qu'en fait. Bonsoir Nîmes, excuse-moi, j'ai pas. Deux. Allez, Exia. Voilà. Salut Exia. Attends, j'ai le son de Left 4 Dead qui est très fort. J'ai plus de tympan. Tu me laisses juste. Alors. Tu me laisses juste finir ma. Allez me coucher dans le portière et j'arrive. Elle dit quoi? Avec des amis. Elle parlait d'un jeu. Et salle d'attente. Comment allez-vous? Bien, en dehors du fait, enfin, fatigué, mais surtout, je suis bougon, je suis bougonne. On a Échafouin. franchement Échafouin. Je viens de campagne. Parce que tous le premier jeu auquel on a voulu jouer, Isha, ça accrochait pas. Le Mais c'est pas de deuxième, ma faute on peut si pas ça allait être changer, on nul. peut pas. Tu me laisses finir, s'il te plaît. On peut pas changer QWERTY. En AZERTY, donc moi pour mes contrôles c'est chiant. Du coup là on se retrouve à jouer à Left 4 Dead 2. Bon après je vais pas me plaindre parce que c'est un jeu qui est génial hein. Et il n'a pas été dépassé dans son genre depuis qu'il est sorti, je viens de le dire. Hein. Et oui c'est toi que je vise Back 4 Blood. Alors, vous voulez quatre cartes? Non mais je suis en train de préparer. Ah, d'accord. Elle est déjà en train de préparer. Elle est trop rapide. Oui. Je veux pas Désolé, j'arrive attendre. dans 2 secondes. Il faut d'abord Il là. y a un type que j'allais choisir. Exact, il se fait étrangler au fond. En attendant, mangez des pubs dans le chat. Bam! Ah Et oui, toi, tu comment sais. ça va, Nîmes? Les 3 points d'exclamation, les 4 points d'exclamation là dedans là. C'est comme des commandements, mais c'est juste qu'ils t'indiquent des liens. Alors, attends. C'est Moïse qui arrive avec sa tablette et il écrit Suivez ma chaîne YouTube! YouTube. En vrai, si Moïse était à notre époque, je pense qu'il aurait une chaîne YouTube. On va laisser en normal. Hein. La timeline En fait, de nos jours, c'est des alternative. influenceurs, un point, c'est tout. Moïse arrive dans l'époque moderne. Il arrive avec une tablette, mais tu sais, ça n'arrive pas dès là. Il est écrit! Est écrit seul Link peut vaincre Ganon. Ce soir. Ah. Ah ouais, je comprends. Let's go, on va faire la meilleure. La carte que j'ai citée en vrai. Je réserve Ellie. Sorry, pas sorry. Ah bah moi je suis nick hein, comme toujours. Hein. J'ai toujours été nick, je serai toujours Je nick. prends Zoé toujours. Voilà, tu vas pouvoir te défouler là. Tu vas pouvoir étriper des Bah là trucs. ce sera pas Zoé, ce sera Rochelle ou. Rochelle. Rochelle. Pardon. Quoi? La musique, c'est Rachel, je sais plus. Et bonsoir aussi, Omicat. Bonsoir. Je me suis fait chuter. Oh, ça va, ça va. Ça va, arrête. Oh, Poupoupou. Un bébou. Je préviens, quiconque fait une erreur sera clippé. Hein. J'ai le bouton clip devant moi, à tout moment, je vous clip. Hein, Faut que je fasse ça aussi. tu peux nous Ah, clipper, bouton. qu'est-ce qu'on a fait? Bah, tu vois, j'ai un bouton, il y a marqué clip dessus, si j'appuie dessus, ça fait clip.
Et t'as des ailes pour attraper ça. Alors, je, à gauche, qu'est-ce que tu réponds à ça, Kia? Alors, si mes ailes sont entremêlées, je tombe quand même. C'est... Je pense qu'à partir d'une certaine vitesse, je n'ai plus la force pour déployer mes ailes. Ça fait comme un. Non, mais il suffit de déployer. Ouais. Ce qui fait que du coup, j'ai techniquement une vitesse de chute terminale qui est dangereuse. Mais si t'es Misha, mi-oiseau, normalement, tu devrais pouvoir te retourner sur tes pattes. Et après, il reste plus qu'à tendre des ailes pour faire effet parachute. Je pense pas que ça va aider, parce que si Char retombe sur ses pattes, il y a juste ses fémurs qui vont traverser son thorax. Non mais même, genre, pour déployer des ailes en mode parachute, faut une sacrée force, hein. Et bah tu fais tu veux vivre ou pas ou quoi? Je veux vivre. J'ai... Techniquement, si je suis vraiment si on pousse le truc de l'oiseau jusqu'au bout, j'ai des os très fragiles. Oui. Ils sont creux. Ah oui, c'est vrai que t'as des os creux. Si on part sur cette logique là, normalement les harpies sont très fragiles normalement. Ah. Je crois que ça démarre. En fait, elle réfléchit à de nouvelles manières de me briser les os. Non, bah, après. Dans Baldur's Gate, on peut même pas les jouer, donc attention à ce que tu dis. C'est vrai que c'est tout un mode qui permet de jouer tout et n'importe quoi. J'ai rien dit. Regardez comment il m'agresse, j'ai rien dit. J'aurais bien une goblin, moi, dans Baldur's Gate. Mais en vrai. On va une partie en mode goblin, en mode full et ville. Ouais, en vrai, c'est surprenant qu'il n'y ait pas encore. Il y a peut-être déjà des modes, hein, mais c'est surprenant qu'il n'y ait pas encore tant de modes que ça de tout. Je voudrais avoir le même visage que j'ai d'habitude, mais je veux pas des oreilles pointues. C'est tout. C'est très simple comparé à beaucoup de gens ici. Et Elodie ne veut pas devenir une elfe. Bah, non. Je vais prendre une paire de ciseaux. Hein. Que tu penses qu'il y a des elfes aux oreilles coupées, genre dans des plus, trucs de l'or? Je suis pas une elfe d'habitude, je suis une demi-drow. Demi-drow. Ouais. C'est des elfes, mais version méchant, je crois. De profondeur. Coach, t'es notre IA de compagnie, alors s'il te plaît, fais pas de la merde. Hein? C'est hein, coach? Vous êtes prêt? C'est moi, il avait un accent. Ah! We got the problem. Il a fait, vous êtes prêt? Vous êtes prêt? Bon, bah alors, j'ai un problème, on va essayer de faire avec. Alors attendez, je vais juste couper la musique parce que j'entends les musiques du jeu qui sont déjà fortes. Hop, voilà, musique. Les alertes, faut que je les déplace. Hop. Voilà, les alertes au bon endroit. C'est-à-dire au plafond. C'est en normal, hein. Oh non, putain, j'ai Altab et c'est un jeu de Valve. Ça va, il est revenu. T'as quelque chose à te plaindre? T'as quelque chose à dire par rapport au jeu de Valve? Ils aiment pas être Altab. Bah voilà, regarde, tu vois, il y a un chargeur, il va être pour toi. On est en quoi? On est en normal ou en intermédiaire? J'ai dit en normal. J'ai un problème. j'ai un problème. Qu'est-ce que c'est ton problème? En fait, j'avais oublié que les jeux de Valve n'aimaient pas changer les touches pendant la partie. Ah. Du coup, je suis coincé en QWERTY. T'es coincé mais, en QWERTY même si je change de touche, bah en fait... Bah bon courage, Exia. Je suis en train de me battre avec mon clavier en fait. Ah, je vois ça. Parce hein. qu'avec les zombies. Allô, Exia. Comment est-ce qu'on fait déjà pour recharger ces R? Ok, très bien. Non, mais on est en normal, ça devrait aller. Hein. Ouais, ça devrait aller. Coach, arrête de mourir par contre. Ah, je t'arrache une jambe au poste. Qu'est-ce qu'il est défoulant ce jeu? Il y a Hunter! Ouais, je peux pas esquiver, j'arrive pas à bouger. Ah ouais, d'accord, y a pas de temps. Elodie, elle a juste tiré dans le mur, quoi, c'est. Bah oui, je sais que mes balles passent au travers du mur, donc. Enfin, c'est même pas un mur, c'est juste un truc de camion, moi, ça passe au travers. Genre, vraiment, j'ai juste vu tourner la tête et faire BAA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 A
Comet, je te vois. Voilà. Et je suis en sécurité. I have the high ground, Elodie. Oui. I have the high ground. Mais il va falloir que tu descendes à un moment, donc... Mon Dieu, elle sait. Si vous ne mourrez pas, ça devrait passer, c'est-à-dire. Oh. Il y a un petit couteau, là. Je vais prendre le petit couteau. Ah, ah. Ouais. On va pas prendre le raccourci, parce que le bot est incapable de prendre les raccourcis. Coach est, a bien trop de d'espace pris pour pouvoir passer dans le raccourci. Le pauvre. C'est pas sympa ça. C'est pas très gentil. Non, mais je vais dire quoi, dis donc. Hé, hey, coach, mais défends-toi, mon vieux. Ah, j'entends un. Tu vas te faire sauter dessus. Aïe. Ça va te faire ma. Ah, j'ai quand même vidé le chargeur avant de te toucher, hein. T'as avancé, hein. Ah. Ne t'es repassé devant. Il y a un truc là-haut. Je sais. Rattle them, boys. Voilà. Voilà. Il y a un chargeur. Il y a un chargeur. Je sais pas où il est, mais il y a un chargeur. Oh, regarde, il arrive. Chou chou. C'est coach qui l'a eu. Oh non, coach. Chou chou. Pas bien. C'est juste coach. Il est en train d'ouvrir le poulet. Au secours. Il y a personne qui est en train. Il y a personne qui sauve Isha, c'est incroyable. Mais si, j'ai sauvé Isha. Mais si, elle me tirait dessus au fusil à pompe, ça m'aidait. Et le feu. C'est moi qui ai foutu le feu. Pourquoi j'ai cette image, en fait, là, quand... Quand le hunter te saute dessus, c'est la... en fait, c'est la façon dont tu ouvres un poulet, c'est quand t'as la flemme. Genre, tu arraches les morceaux à droite à gauche, genre, le melon de poulet, je vais le mettre là, et ça, tu t'arraches tout. Planqué. Non, non, pas choqué, non, pitié, non, tout ça fluit. J'ai compris. J'entends un boomer. Ok, boomer. J'ai détecté un vieux. Boomer. Un vieux en fait. Pardon. Et Il est où ? Ah bah il est mort. C'est quoi qui est alors ? Il est mort. Il est mort. Les munitions. Attention, il y a une attaque en approche. Attention. T'as plus de tête, t'es pas censé te déplacer. C'est mon lit, je le protégerai. J'étais là dans cette pièce avant. Cette pièce de cette chambre de motel est à moi. La fenêtre était ouverte, je suis rentré. <C'était>... Normalement, tu sais, c'est... on passe par les portes déjà, premièrement. Hein. Que coach qui a ouvert la porte. Coach, j'ai vu. Oh, pardon, Isha. Coach est la seule personne que j'accepterai parce que lui, au moins, il entre par les portes déjà. Porte surfait. Bah alors, pardon, Nick. Pardon, coach. Je pense qu'on est bon. J'ai même pas le temps de dire qu'on était juste bon. Devant nous, l'enculé. T'as eu peur, hein? T'as eu peur? J'ai toujours peur, moi. Ah oh. Il avait dit. Ah. Je peux aller que de l'avant. Attends, non, je vais garder ma... Pardon, coach. Je vais garder ma truc. J'ai même pas eu le temps de faire ma référence à Payday que j'étais déjà en train de me faire tirer dessus. Ouais, hein. Non, les portes, ça tue. Oh, madame. Pilule. Oh, y'a des pilules. Pilule. Oh, punaise. Qu'est-ce que... Moi où j'ai entendu quelque chose être mangé. La pilule pour qui y a de... Ouais. C'est Exo qui a aspiré des pilules. Le jockey s'est posé par moi, je lui ai mis un coup en mode stomp. Y'a un kit de soins ici. Et une dose d'adrénaline. Pain, I need a magic bag. Y'a un katana. Bébé. Allez, s'il vous plaît. J'ai mal. Il y a un kit de soins ici. Oh, des balles. Bah attends, c'est bon, coach, tenez, en train de s'occuper de des moi. Des balles là. Explosives, aucun risque. Ouais, mais il faudrait que coach prenne quand même le... T'as vu où le katana, en fait, Elodie? Bah, là où il y a le kit, en fait. Ah.
Un katana, une tronçonneuse, une douche multifonction. Les toilettes. Un kit de soins. Ah, une tronçonneuse. Ah, est-ce qu'il a pris le kit Votre con. Pourquoi t'as pas de kit, Isha? Ah, mais j'ai oublié un kit. T'as pas pris ton kit? J'ai pas pris mon kit. Mais t'es vraiment pas fait pour survivre, en fait. Hein. Not born to survive. J'ai une tronçonneuse. On verra ça quand on aura les 10 personnes sur Project Zomboid. Un jour. Bah ouais, on verra bien, on verra ça. Eh, franchement, la première personne à mourir sur cette partie-là, la honte. Hein. Sachant qu'il y aura du PVP, tout ça, la honte. Ah non, pas le Smoky. Pas le Smoky. T'es sauvé, Xia, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Attends, je vais le chercher. Ah bah il est mort. Non mais il est mort, parce que je sais. Oh, je vais le chercher à la tronçonneuse, hein. Moi j'en ai rien à faire. Ah, la tronçonneuse ah bon, dans le dos. Je suis pas forcément super fan du PVP. Bah, en fait, c'est surtout parce que c'est dommage, c'est jamais utilisé, mais je veux un PVP quand même fun. Je veux pas juste les gens qui te tirent dessus sans aucune raison. Je veux que si tu veux tuer quelqu'un, eh ben tu dois mériter le fait de tuer. Donc tu vas suivre la personne, tu vas lui faire peur. Tu vois? Non, c'est pas fun. Moi, je veux un PVP qui monte en intensité, tu vois, que c'est... T'inquiète, laisse faire. Il y a du monde là en bas, et... Ouais, t'inquiète. Tous les morceaux qui volent loin. Regarde quand même, Mexia, parce que... Il y a du carburant, c'est pas infini. Ouais, je sais que la tronçonneuse a des piles, mais... Des piles. Elle a mis des double A dedans. C'est pour ça que ça dure pas très longtemps. Ouais, ah, tank! Ah bah y'a un tank. Il est en bas le tank. Ça va être sympa le tank. Mais t'inquiète avec pas, il va grimper. Est-ce qu'il y a quelqu'un un cocktail Molotov? Là il est là-bas! Non. Après c'est un tank normal hein, donc il va crever très très vite. Je vais foncer dessus, il en a rien à faire. Voilà, tu vois. Voilà. J'ai volé. Alors. J'ai foncé sur le tank, j'en avais rien à cirer. Voilà. Pilules. Il y a des pilules ici. Je prends des pilules. Parce que t'as pas pris de kit. Yeah. Ah si, Isha a un kit dans le dos. Il est où l'autre là? En haut. Là. Non. Je déteste ces jockeys. J'ai vidé le chargeur. Personne n'a vu. De DPS et aucun heal. Comment ça? Hein? Ah merde, c'est à côté, putain, c'était... Ah merde! Cherchez justement le trigger! J'adore. Oh, oh, arrêtez de me frapper! Dame. Taper les gens, c'est méchant! Ah, mais je suis encore en haut, moi, quel débile! Oui, oui, descends, hein, te laisse pas... Laisse pas avoir par le piège du haut. Oh, oh merde. T'es un smoker, mince. Exia, je t'ai encadré. Genre vraiment, t'as eu une balle à gauche, une balle à droite. Qui est-ce qui a laissé la bille de boomer là ici? Une bibip, moi. Parce qu'il y a... Attends, mais non, mais il faut prendre la bille, hein. Mais c'est parce qu'il y avait des molotov. Mais des cocktails molotov. Débile. Bah tant pis. Hein. Progresse doucement. Progresse accroupi. J'ai vu le tir. Hein. Il y a une spitter. En haut. J'ai snipé cette conne. Elle est capable de nous tirer dessus. Boomer. Des pilules. Il y a des pilules ici, chat. Des pilules. Arrête. Petite pilule. Il y a aussi une dose. Pilule. Églou, églou, églou. Je peux même prendre une autre dose et prendre la dose qu'il y a par terre, hein, en fait. Allez. Une surdose de médicaments. Aucune... Overdose. Et j'ai bu quand même deux paquets de pilules complets. Ça fait 50 gélules d'un coup. Je vois les couleurs. Ah. On a une petite attaque en approche.
Ah, il y a un smoker aussi. Il m'a lâché le smoker. Parce que j'ai tiré dans sa langue. Ah. Je me disais bien qu'il était pas mort, c'était chelou. Chelou cette histoire. Lâchez-moi. Je me replie. Ah non, pas un jockey. Ah non, 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 ah, non, 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 pas un jockey. J'ai essayé de tronçonner le jockey, mais ça a pas marché. J'ai pas eu de witch. J'ai pas eu de sandwich. Ah, j'ai plus de munitions par contre, enfin que je me débrouille au petit couteau. C'est vrai qu'il n'y a pas de surprise de fin là. Ah. Oh non. Je me disais que ça manquait d'une surprise. Courez. Et que ça t'es puni. T'inquiète. Ah, j'ai plus d'essence. Coach, rentre, rentre, rentre. C'est bon. Oh le jiggle. Ouvrez! Ouvrez! Non, Exia, il faut que tu fasses face à tes aux conséquences de tes actes. Mais en plus, la porte, elle est ouverte, là. Ah, je peux aller que devant! Mais fermez la Mais porte! Mais ferme la porte! Oh là là! Non, mais il faut qu'on fasse un truc, il faut que je relance le jeu une seconde. Tu peux faire ça. C'est injouable comme ça. Je suis obligé d'utiliser ma main, mais comme une araignée. Du coup, je peux aller que devant, en fait. Ex-araignée. Bah voilà, le jeu a crash en plus. Okay. Elle a le tab. Il y a un jiggle si tu veux là, regarde. J'ai pas le tab, hein. Le jeu a juste crash. Manière random. Bon, j'ai quand même un kit, donc je vais me soigner. Je sais pas, est-ce que je me soigne? Je suis à 60. Rochelle, arrête de me soigner, Rochelle. Na 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 na. Pourquoi il chante? Ex-araignée. Alors, muchachos roles. Bon, allez, vas-y, je vais me soigner, je vais quand même prendre mon kit. Est-ce qu'on peut voir dehors là, de ce côté-là? Tout à fait. Pourquoi il a dit que ça soulageait? Tout à fait. Je me suis soigné. Ouais. Hey coach, t'as fait quoi toi aussi? C'est super là ce que tu me dis, coach. Rochelle, s'il vous plaît, je veux pas être coach. Il a l'air si triste. Attends, viens là où je suis. Il a l'air si triste. Ah, moi ça va, il a pas l'air si triste que ça en vrai. Est-ce qu'il a les yeux? En fait, il a la tête vers le bas pour moi. Du coup, j'ai l'impression de ça. Il est en haut. Ouais, c'est bon, je suis Rochelle. J'ai un diggle. Rochelle. Ah, par contre, du coup, j'ai plus mes mods. Je suis un peu déçu. Ah. Tu vas enfin pouvoir dire que la witch n'est pas un son chelou. Ah, ouais. Putain. Tu vas être... en vrai, ça va être un renouveau pour toi, t'avais tellement l'habitude. Il y a une batte de baseball, il y a un Glock. Intéressant, le Glock, on a des gueules. J'ai le calibre 50. Bam. Merde. Ah. Chargeur. Whoop, please. Whoopsie. Chargeur. Il m'a tapé. Ah, pardon. Bah. J'essaye de la tuer depuis tout à l'heure, mais. Un peu sur le chemin, quoi. Reste pas sur le chemin. Voyage obligé, c'est garé. Ah, c'est pour récupérer Chomsky. Ouais, je sais, mais. Chomsky! Non, j'ai. C'est compliqué de récupérer Chomsky. Non, c'est pas compliqué. Si. Qu'est-ce qu'on a comme arme ici? Oh, c'est mon arme! Let's go! Bam! Chomsky, c'est un imbécile, donc bon. Bam! Voilà. J'ai mon arme, let's go! Bon! Ah bon? Ouais. L'exécution. Oh! Rochelle!
Il veut des explosifs. J'ai déployé les explosifs. Ah non, les explosifs, non, j'aime pas ça, moi. Les explosifs. Oh bah, fusil à pompe que vous aimez. Quel hasard. Ah, non, pas le Hunter. Il vient d'où, ce bâtard? Bah, de derrière. Ça me fait rire. On t'a pas entendu sur Discord. Est-ce que t'as changé de jeu sur OBS? Oh oui, j'ai mis les 4 Dead. Ok. Oh non, putain, j'ai le tab avec le jeu. Tu veux me maudire? Tu veux que je crash le jeu, c'est ça, hein? Jamais touché au jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Direct 9, il aime pas trop. Oh putain. Ah ce cri, vous l'avez pas. T'as de la chance que je suis plus jeté. Brûle le smoker, brûle! Oh punaise. La panique. Chargeur. Non, y a pas d'arme, c'est faux. Chargeur en feu. Dead. Moi, des pilules. Dead. Un Glock. Une pipe. Ah, il va y avoir une attaque. Horde. Avec mon panic gun. Mais attends une seconde. Reculez. Ah. Reculez. Ah là. J'ai entendu quick. Ouais, y a un quick. Quick. Boomer qui a marché dans la flamme. Tada. Quick. Magic trick. Je l'ai grimpé là-haut. Madame. Ah oh non. Dirk. Morve. J'imagine trop la VF quand on leur a dit alors la phrase c'est morve. Ah ouais ça va, les doublages ils sont quatre. Ah ils sont bien les doublages, mais j'imagine la scène c'est. Tu lis. Non, j'ai encore eu un. Ce que tu dois lire, c'est genre morve. Vomi. Vomi. T'avais pas qu'à te lever toi. Oh, ils sont envolés. I believe I can touch the sky. Ah, je l'ai vu décoller. Il est mort alors qu'il s'apprêtait à décoller. Oui, mais il est débile. Lui. Il est bourré ce chargeur. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, qu'est-ce qu'il faut pas voir. Plus de jambes. Vache, il y a du monde ici. Alors en vrai, je suis en train de regarder, mais la main de Rochelle n'est pas capable de tenir ce foutu Desert Eagle. Hein. La main est trop petite. Oui. Ah oui, effectivement, il y a un problème avec le Desert Eagle aussi. Hein. Long cou. La poignée est vachement petite par rapport au... Ah bah, elle est comme la vraie. Hein. On appelle ça aussi Diplodocus. J'entends une... Ah. 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 Il est pas mort! Il est juste tombé! Il est tombé juste devant moi, quoi, devant ma tronche. Ah, la witch est sûrement en bas de l'escalier, très bien. Sandwich. Ah, il y a une horde aussi. Il est pas mort, il est juste tombé! Non, déjà, j'arrive. Oh, punaise, coach! Tu vas mourir, coach! Ah non. Coach, j'ai une sale liste. J'ai une sale nouvelle pour toi. J'ai un chargeur à vider. Dans l'entrée, s'il te plaît. Ah non, rien dans l'entrée, coach. Fais une porte. Hold the door. Hold the door. You are the door. Alors, ça, c'était méchant. J'ai failli. Elle est juste dans le couloir. J'ai tiré juste au-dessus de ta tête en tirant le boomer. Ouais. Vous vous débrouillez. J'ai toujours un. J'ai pas de pompe. Coach. Bon, bah. J'ai vidé le chargeur, quoi. Je suis pas morte.
J'ai... Non, mais quand elle brûle, de toute façon, elle est ralentie. Sauf si c'est une witch qui marche. Ouais. Pas sûr si elle marche, là. Et bah, non, si, si. Bah, tiens, regardez, en parlant de fusil à pompe. Ah, mais c'est le jeu qui se fout de nous, là, en fait. Ah, oui. Bah. Allô? Non. Attends, il y a un intervalle quelque part. Non. Vous avez presque plus de munitions, changez d'arme, hein. La ferme. Moi? J'ai encore plein de balles. Tu sais ce que je dis, non, non, mais on c'est peut moi, pas avoir tes balles, Exia. Petite chasse. Rip. Ah, il y a absolument tout qui est lancé sur le toit, là, actuellement. C'est quoi ce... Pourquoi il y a un... Mais arrête de me pousser. Je pousse quand je veux. Non. C'est surtout pour te sauver la vie. J'en ai marre. Pour l'instant, tu m'as pas sauvé la vie. Pourquoi les hunters ils me sautent toujours dessus? Il y a un jockey en haut. Allez, mais. Attends, il y a un jockey en haut. Il y a pas quatre jockeys en haut. Il est pas en haut. Ah ouais, mais il faut bien qu'on avance. Comment ça, clowns? Pourquoi t'as eu un succès? Je sais pas. Elodie, comment t'as eu ce succès? Quoi? Tu vois que je suis occupé là en fait. Je te désoccupe. Voilà. T'es plus occupé. C'était quoi le succès? Clown. C'était quoi tu dis? Clown. Ah, c'est parce que j'ai donné un coup de crosse à un clown et puis du coup, ça fait pompon. Oui! Moi je l'ai pas eu alors parce qu'on m'a juste donné des coups de crosse à des clowns. Peut-être parce que tu l'as déjà eu? Impossible. Peut-être un peu trop loin. Je vais reprendre l'escalier. Ah, j'entends un bruit que je n'aime pas. Bah, j'ai bien fait de le prendre l'escalier. T'as trop avancé, hein. Je vais prendre le toboggan, moi. Oui. Non, 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 mais fais pas du moonwalk. Berker tank. Oh, le lancer d'Exia. 50 mètres. Il était très beau, hein, 9 sur 10. Oh, attends, est-ce qu'il va glisser? Oui. Oui. Et hop, on reprend les... Vous voulez refaire un tour, monsieur? Jockey. Ah, jockey. Non, pas ça. Pas ça. Non, pas ça. Oh. Pas ça, Zinedine. Oh, non. Il y a des pilules. Ici, il y a des pilules. Et puis, il y a aussi un petit serpent en peluche. Un petit serpent en peluche? C'est mon serpent en peluche. Personne s'en approche. Prends les pilules. Ok. Serpent est parti, hein. Je dis ça, je dis rien, il est là. Non, moi, il est là. J'ai donné un coup. Il est toujours pas le truc que j'aime bien. Très bien. J'ai l'impression que c'est un peu énervé, ah, les gens. Attention, le derrière toi, ça arrive. Ouais. Oh, la K. Pilule. Ah. Il va se calmer, oui. Je suis désolé, coach. J'étais peut-être vide. Par 15 contre, balles vous mettez en dos. Vous mettez pas dans ma ligne de mire quand je tire. C'est... Je peux pas savoir où tu es. J'ai pas des yeux derrière la tête. Bah, quand tu reçois des balles à part d'Elodie, tu sais qu'elle est derrière toi, du coup. C'est un indice. C'est... Fair enough. Clairement, c'est un plutôt bon indice. Faites du bruit! Oh, ça me sent good. Il y a encore plein de monde. Tiens, Alexia, si tu veux, tu peux balancer ta pipe comme ça pour faire le ménage un peu. Ah, c'est un peu tard là pour lancer une pipe. Qu'est-ce qu'elle a dit, Exia? Je l'entends. On en a particulièrement après toi, Exia. J'ai entendu Exia parler en alien. Genre ça fait comment tu sais que les aliens ils parlent comme ça? J'en ai rencontré un hier, il m'a dit ça exactement, ces mots là ah voyons, vas-y j'active le truc. Je crois que je l'ai fait peur en vrai. Ouvre-toi, cassez-vous. Bah
J'ai 50 balles que je peux vider en quelques secondes. Mais poussez-vous! Voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça se calme un peu. On se calme. Que tout le monde se calme. Reprenez vos postes. Que tout le monde reprenez votre poste. Poste. Non, les places ne sont pas ouvertes. Il y a peu de place dans le casino, dans le comment ça s'appelle, dans le carrousel. Dans le casino. T'as failli faire un tarot. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Izu? Un tarot, le plus petit des grands héros. C'est le plus petit des grands héros. Oui. Rip Ant-Man. Cherche pas, c'est une série sur hamster. C'est trop bien. Je sais que je regardais quand j'étais plus jeune, mais je sais plus jusqu'à quel. Et la mise en orbite de l'intestin droit était réussite. Et vous a... Pour moi, elle est complètement retournée, il y a juste ses jambes qui dépassent. Genre, quelqu'un l'a enfoncé dans le sol. Oui, bah oui, je le vois aussi avec les jambes qui s'écartent en mode. Bon, allez. Allez, vas-y, viens. En musique, la musique de l'anime en japonais, c'est drôle. Là. Je l'ai jamais entendu. Le grand 8. Qui c'est qui a tapé le plus la witch? Qui c'est qui a tapé la witch le plus? La personne qui a jeté le molotov. Et moi. Eh, j'étais pas loin, hein. On a été deux. Ouais, Elodie et Coach, ils ont rien à faire de la witch. Ils ont juste regardé. C'était qu'une question de temps. Non, Xavier, on ne boit pas de l'alcool devant des zombies, c'est une mauvaise idée. Le coach, il va bien vouloir prendre le dernier. Mais si c'est le zombie qui boit l'alcool, c'est comment? Si c'est le zombie qui boit de l'alcool, il devient incendiaire. Coach, s'il te plaît, prends le kit. Il s'améliore. Coach, incendiaire, alors. Coach, prends le kit. Exas. Prends le kit. Coach. Coach, prends ce putain de kit. Merci. La dernière fois qu'on était dans cette mode, ça s'était mal passé. N'empêche que le kit a marché, regarde, il l'a pris. Une sale histoire de dire qu'il y a potentiellement un tank et que le tank s'était ramené direct. Ouais. Je crois qu'il y avait un tank juste à droite. Il peut y avoir un tank qui est là, ouais. Une sale histoire, quoi. Ça m'est déjà arrivé, et crois-moi, en expert, généralement, tu... C'est pas cool. Et tu quittes, et tu sais que tu survives pas. C'est pas un bon moment. Non, t'es obligé de te préparer juste, tu dis bon bah y'a un tank que dès le début. On a pas de molotov, qu'est-ce qu'on fait? Une porte. On a une porte. En vrai, ouais. Hein. Je vais essayer de jouer avec la porte. Non, il a défense. Il la porte a la de l'abri. Ah oui, la porte de l'abri. De l'abri sort quoi? Il peut la défoncer, de l'abri de la fin par contre lui, non il peut pas. Mais celle du début, par contre, y a aucun problème. Hein. Ah, y a une horde qui sort de nulle part. Vince Peters. Bon. Stop la bille. Vous me saoulez. Cocktail Molotov. Il sert à... Ah non, y a pas d'eau, c'est vrai. Je te tape. Coup de poing. Je te tabasse, moi. Arrête de jouer avec ce zombie et tue-le. Il a donné des soins avec Xia. Bah, j'ai donné une patate et ça. Attends, t'as un truc de dépêche mode sur ton ventre. Attends. Ah oui, Rochelle a un tireur dépêche mode. Dépêche mode. Trop bien. On va un peu plus, c'est quoi leur musique? We can touch face. Voilà, comment faire santé avec Xia gratuitement? Dites-lui, je m'en rappelle plus, c'est quoi la musique. Ouais, c'est vrai. Personnel. L'exia jukebox activé. Mais il était juste assis, te regarder, il n'en avait rien à foutre. Magnifique. Tu peux leur marcher dessus quand c'est le cas. Splitteuse en face, trop tard. Oh, elle est morte. Oh! Ratam them boys!
Il y a un chargeur aussi, je sais pas où il est, mais il y a un chargeur. Ah bah il est derrière. C'est raté. Il s'est raté, il s'est pris le mur. Il a tout pris, il a pris un mur. Le fisc. Bah écoute, c'est pas facile hein, quand t'as l'envergure. Le vaccin. Il a tout pris. Tronçonneuse. Ah mais j'ai déjà un Deagle. Deagle le tronçonneuse. Deagle. Xia passe au choix le plus dur de sa vie. Je veux les deux. Je veux une tronçonneuse montée sur mon Deagle. Ou un Deagle monté sur ma tronçonneuse. Ah, c'est un flingue de Warhammer ça. Et... Oui. Jouer une épée tronçonneuse avec un pistolet bolter dans l'autre main. Ah, moi je pense à celui où t'as la tronçonneuse sur le pistolet. Et bonjour. Ne t'en retourne pas, madame. Mais j'ai dit, on se retourne pas. Ça me rappelle l'internat. Ah non. Il vient d'où cet enculé? Je sais pas, aucune idée. En fait, quand un smoker il meurt et que ça fait de la fumée, ça me rappelait l'internat. Y'a une horde! Ah bon? Pourquoi j'entends pas les sons? Là, c'était si calme d'en haut, genre vraiment j'avais aucun bruit en haut. On se calme, j'ai dit on se calme! Posez vos bras au sol. Posez vos bras? Oui, voilà. Bon. Oui! On descend. Hein. Efficace. Ah, coach, merde. Coach. Oh non, c'est toi qui m'es tombé dessus, espèce de sac à merde. Non, pas fait. Oh. Comment oses-tu parler à coach de cette façon? Jamais. Coach, il a pas eu son burger. En plus, aujourd'hui, il va être un peu bougon. Hein. Bah c'est un smoker. Oui, il y avait une spitter, ouais. Et voilà les enfants, ce que ça fait de fumer jusqu'à 40 ans. C'est terrible. D'être juste 20 minutes dans un internat. Vous êtes resté 20 minutes dans un aquarium, voici ce que vous avez ressemblé. Il y a un tank, j'ai entendu un tank. Il y a un tank. Oui, il y a un tank. Oui. Ouais, je confirme, il y a un tank. Pas où il est, mais il grogne en tout cas. Il est là. Oh, attaque oh. En approche. Il s'est pris le plafond. Et par contre, Isha reste pas comme ça en plein milieu. Il va mourir. Je savais plus qui j'étais. T'as vu, tu vas mourir. T'as vu, tu vas mourir. T'as vu, tu vas mourir. Ohé. Chargeur. Bah, Isha l'a bien compris, le chargeur, oui. Oh cool, celui-là il est bien. Ah bah voilà le tank. Oui, qu'il est où le tank? Ah bah il est partout de la porte. Voilà le tank. Attends, moi j'ai un sniper, je vais pouvoir le... Ah bah il s'en va vite. T'en vas loin, dis donc. Il s'est barré. Il me suit. Oh bah voilà, c'est bon. Je l'ai tué, ouais, c'est moi. Moi, mes 50 balles. Une boumette. Elle est où la boumette? Ah bah c'est bon, elle est morte. Appuie la boumette. Où le coupter? Moi dans War Thunder. Whirly Bird. Ah, oh il a esquivé toutes mes balles, l'enculé. Ninja. Non. J'arrive pas à les contrer les... Il m'a raté, il s'est rabattu sur toi. Ouais. C'était un second fois, Isha, j'espère que tu le sais. Ah, j'ai essayé de le contrer, mais j'ai pas réussi. Il était qu'un second choix. En même temps, entre de la viande rouge et du poulet, pas mal, je choisirais la viande rouge d'abord. Viande rouge? Je suis de la viande morte. Il sait pas, il a pas de yeux. Ouais, un tour de grand 8. Bon, on y va. Let's ouais bon, c'est moi qui mets à la première place. J'ai la pipe. N'hésitez pas à balancer la pipe. Fuyez, pauvre fou. Ah, arrêtez, mais non, pas le...
pas le split, pas le smoker dès le début. Ça se fait pas. Il est mort, t'inquiète pas, il s'est pris le train. Ouais, mais j'ai pris trop de dégâts, du coup j'ai 0 PV. Oh là là, eh. Oh bah y'a un jockey en plus, ah bah super. Oh bah merci. Y'a coach qui vient t'aider, mais j'ai tenté de sniper hein, c'est... Coach est avec toi. Pour une fois que le bot il suit pas tout... Je sens que je vais prendre un train dans le cul, mais je vais pas le comprendre. Le train s'arrête en gare. What, c'est pas normal, mais arrêtez de monter. Aïe. On tire dessus. Il m'a mis sur le banc. Mais non mais coach, arrête de me ralentir à vouloir me soigner. C'est pas le moment. Ouais c'est vrai. Ah non mais... Coach il m'a fait... Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il est débile ce coach. J'essaye de t'avoir mais je pense pas que je peux te tirer au travers coach, du... Oh coach il est coincé, il sait plus quoi faire. Coach il est con. J'ai réussi à te sauver. Coach tu fais quoi bordel. Il est malade. C'est trop marrant, hein. Juste avec un bot, il a réussi à mettre l'équipe à terre. Juste parce qu'il a pas su prendre les bonnes décisions au bon moment. En fait, il m'a soigné, ce con. J'ai essayé de repousser l'animation en bougeant ou en lui mettant des coups de crosse, il en a eu rien à foutre. Ça va être complexe, ma fin, là. Oui, mais... Le truc, c'est que juste derrière, juste au moment où il me lâche... Y'a un smoker qui me chope. C'est pas là que je voulais mettre le molotov, mais je pouvais pas le mettre autre part. Juste au moment où il me lâche, y'a un smoker qui me reprend. Et derrière, il se barre. Il me regarde être smoké, il se casse. Enculé, il s'est barré, quoi. Ah merde, c'est vrai qu'il faut pas dire enculé pour YouTube. Il est où ? Pas beau comme mot. Ah ça va, les chats survivent bien. Hein. Attends qu'il y a un spécial. Ah t'as eu un smoker au passage. Hein. Il a brûlé. Bah, faut que je me soigne parce que... C'est 3 kits. C'est vraiment le vieux qui se fout de nous. Hein. Mais moi, j'ai gagné plus de personnes de survivants pour les récupérer. Dis donc. Ah oui, dis donc. J'ai attends, plus de balles, j'ai plus rien, y'a plus d'amis. Tout le monde est mort. Oh punaise. Et là, la musique. Bam, bam, bam. Je suis mort parce que j'ai essayé de sauver ça. Moi, je suis mort à cause de quoi. Je t'ai sauvé, hein, j'ai réussi à te déloger de l'Hunter quand même. Après 50 balles dans le Hunter. Ah oui, c'est vrai. C'est... Non, vraiment, je vidais chargeur sur chargeur pour le buter, celui-là. D'ailleurs, c'était pas le même qui t'a attaqué qui m'a attaqué. Indifférent. Ouais, il y en a eu plein. Mais tu sais, genre, vraiment, j'ai regardé en bas, j'ai vu 5 machins qui montaient. Je fais, mais putain. Ah non, putain, vas-y. Donnez-moi une vraie arme, s'il vous plaît. T'as la scar, si tu veux. Non, prendre le pompoteau, c'est bien le pompoteau. Pompoteau. Nouscar. Ouais, comme ça, si jamais il y a une 8, je peux la pomper. Le pompoteau. Le pompoteau. Ah. Oh, dis donc, Exia. Quoi? Le pompoteau. J'ai rien. Le poteau feu. Le poteau feu. N'oubliez pas de tirer dans ce mur, il y a plein d'ennemis. Hein. Par contre, quelqu'un n'a pas pris son coach. Prends ton truc, s'il te plaît. Coach. Coach, putain, je vais t'éclater. Coach, tu prends tout de suite. Comment ça, son kit de soin. Comment ça se fait qu'il est revenu avec autant de vie? Coach, tu triches. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui t'a triché, coach? Est-ce qu'il a pas déjà pris un kit? Non. J'ai pas pris de kit, moi, ici. Hein. Ah ouais, je vois le genre. Ouais. Bah écoute, Exia, soigne-toi et prends le dernier kit. Mérite pas. Il a perdu ses droits de kit. Déjà qu'il fout la merde avec ce kit-là. Il a épuisé ses droits. Au kit. Ah non, je voulais pas l'ascara, je voulais le pompe. Merci. Espace 12 des familles, là. Bon. Screaming Oak. Badam, badam, badam. Non, c'est Whispering. Ah bon? Non, derrière toi, c'est Screaming Oak. Il fait vraiment zéro dégâts, ce pistolet.
Ah, il y a quelqu'un qui s'est pris une balle là. Appli. Le bras qui a été arraché. Le bras il dépassait, il a disparu. Ah, on a un tank. Un tank? Oh ouais, il y a un tank. Encore? Bah, et oui. Mais c'est le troisième tank pas, aujourd'hui. On a un tank. Il y a un jockey aussi. J'entends un truc qui fait ah, 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 ah. Là, je l'ai vu, en haut. Boomer. Y'a quelqu'un qui a été boomé? Non. Non. Oh, y'a juste une horde qui a démarré. C'est juste une horde comme ça, ok. C'est juste le boomer, il était accompagné en fait, il est venu avec d'autres gens. Ça, on c'est mes potos. C'est ça. En même temps, vu comme il est fragile, c'est son seul avantage, le boomer, hein, le pauvre. Ouais, le pauvre. Bon, après, ça veut pas dire que je vais laisser le dessus. Tank Ouais, ouais, y a un tank aussi. Bah oui, j'ai dit qu'il y avait un tank. J'ai dit au moins deux fois qu'il y avait un tank. J'entends un boomer, moi, pas tank. Oui, il y avait un boomer, mais il y a 5 minutes de ça, j'ai dit qu'il y avait un tank. Ah. Speedeuse. Et le v'là. Bah voilà, ça qu'est-ce qu'elle fait la spiteuse? Bah elle saute sur la table. Point. Je t'ai vu. J'ai vu, elle est en train de faire je sais pas quoi sur la table. D'un coup. Oh, Diggle. Oh oui. Non mais là, elle était en train... Elle vivait sa... Sa meilleure vie. Sur... Non mais j'étais en train de la tabasser dans le coin. Hein. C'est ça qui se passait. Hein. Elle est venue jusqu'à moi. Oh, la pauvre. Et à moi, j'ai mis des coups de poing. Moustachio! Attends. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'ils avaient pas de musique, mais si, j'en ai. Enfin, il faut une arme de... Une arme de cac. Il y a encore des trucs qui vont arriver là par cette entrée, je le sais. Montrez-vous! Show me what you got! Surprise! On entend un chargeur et un chargeur aussi quelque part. Trouvé! Il a du mal à passer la porte, le... Ouais. En même temps, t'as vu la taille de son bras? Comment tu penses qu'il a eu ce bras-là? Moi, j'ai bien une idée, mais... YouTube... C'est une idée commune sur, dans la communauté, on la connaît déjà. Il a pris des stéroïdes et ça a très mal tourné, dommage pour lui. Oh putain, il y a du monde. Moi, je crois que c'était juste un ancien champion de bras de fer. Ah ouais. On l'appelle Destructeur. C'est qui que j'ai sauvé? Je vais pas savoir ce qu'il détruisait, mais... Ou alors c'était juste un scientifique d'Umbrella qui était dans le mauvais univers. Ah oui. Non, il y a une salopette, c'est supposé être un... Il est peut-être en vacances. Ouais. Ah, ou alors c'est un ouvrier qui faisait que du marteau et du coup, bah, tout son bras droit il l'a musclé comme ça. Que du marteau. Tu penses qu'il y a une technique de speedrun que les gens faisaient pendant un moment à réussir à passer au-dessus de cette barrière? Je sais pas. Regarde, à la sortie, elle te nargue. Il y a une witch là, mais. Ah, elle est loin. C'est tellement invitable. Hein. Ouais, je suis évité parce que j'ai plus que 9 balles en fait. J'ai la conne. Il y a des balles à la fin. Hein? Moi j'ai trouvé une dose. Ah oh, ça va. Il y a du buff ici. Il y a de la mâche. Eh putain, ils ont laissé le meilleur intact. Regarde-moi ça. Ils sont pas en forme. Ils ont mangé que la tête. Non, elles sont pas en forme, ça c'est sûr. Ah bon, tu penses que l'âme Rosette, elle va pas bien? Rosette? Oh oui, merde, ils lui ont vraiment arraché le visage. Non, je crois que Marguerite, elle est en train de bouffer des pissenlits par la racine, tu vois. Des Marguerites, du coup, elle mangeait Marguerite? Ouais. Joki, joki, joki. Waouh. Il a raté.
Quoi? Ah, une lunette ou ça? Ah ouais! Ah ouais, j'avoue. Ça, une lunette. Un fusil à lunettes. D'accord. Ah! C'était une lunette de toilette. Bonsoir, Sita. Bonjour, Sita. Comment ça va? Ah, la Witch, on va l'attendre pendant 5 siècles. Ah non, le chat, non! Elle tire le câble! Démon! Tiens, ça, je prends, là, ça. Ça fait quoi si je tire sur la Witch d'ici? Bah, elle fait bah, le tour. Elle va venir te chercher. Qu'est-ce qu'elle foutait là, elle? Bah, tout à l'heure, elle est quand même venue mettre une claque. Oh, ça suffit, là. Tu es là, là. T'embête. Hein. Mais... Ivy. Ava et vous. Je vais t'attraper, ah bah. Whitey. Ah non, une horde. Elle travaille avec le jeu. Ils sont de mèche. Par contre, s'il vous plaît, ne tirez pas sur les bidons, c'est pas pour maintenant. Hein, Xia? J'ai pas tiré sur les bidons. Encore? Non, non, tu bouffes pas les... Non, tu bouffes pas les fils, parce que sinon je te bouffe. Attends, je vais attraper le chat. Les fils, sinon je te bouffe. Un petit démon, va. Bah. Mmh. Un câlin. Max. Voilà, elle veut un câlin. Bouffe pas les fils, sinon je te bouffe. Pauvre Ivy. Elle va se faire boulotter par comme Elodie. C'est comme ça, c'est la loi de la jungle. C'est bon, elle est installée sur moi, elle est calme. On peut lancer la horde. Je tirais comme une patate. Je joue à une main actuellement. Vous pouvez tirer sur le bidon qu'il y a... Je vais le faire. Voilà. Tirer le bidon de l'escalier. Voilà, et maintenant... Oh, c'est pouvez... dommage, ça marche pas quand tu leur tires sur les mains. Tombe pas, Isha. Hein? Tombe pas. C'est ouvert, mais... On a fini de nettoyer un peu? J'ai une ouais, pipe au cas où. Ce serait quand même mieux. Hein. Après, c'est une horde infinie, donc... Ah. Mais faites... Ah merde, je suis tombé. Bah, on y va, alors. Hein. Allez, on y aller un peu avant que la horde se finisse pour éviter... Ah oh, putain. Bon, bah, écoute, hein... Courez ceux qui peuvent. Arrêtez de me tirer dessus. Je tire devant moi. Il va justement c'est là où il le dit. T'es chiant toi dis donc. Vas-y! Non, coach, c'est pas le moment! Non! Je suis morte! Oh là, le chargeur! Dites-moi que t'as atteint la sortie. Cours à la sortie, profite! Cours à la sortie, je sais. Mais allez, mais poussez-vous! Mais je peux pas avancer! Ok. On va vraiment pas venir me chercher. Ah. Non, je peux pas. Faut fermer la porte. C'est la fin. j'ai commencé à te soigner, j'ai vu les 5 zombies qui sont arrivés en même temps, je fais... Ouais. Il n'y avait pas que 5. J'avais dit qu'il fallait garder la... Bah j'ai lancé une pipe derrière. Oui, mais c'est pas pareil. Mais je sais, mais j'ai fait de mon mieux, ok? Oh, pas bien. Pourquoi? Mais non, il y a des kits, regarde. Fais-moi une arme bien, s'il vous plaît. Cinéma, Xia, c'est compliqué. Il y en aura d'autres sur la scène, hein, s'il faut. Il y en aura peut-être des meilleurs. On est déjà à la scène? Oui. Ouais. Oh, mais j'ai pas mon Deagle, du coup, pour la scène. Oh, les vieux cols de merde. Non, j'ai le petit chat qui est posé sur moi. En vrai, faut prendre du cac.
Attends, si... est-ce qu'il y a du cac? Comme ça, je te laisse mon... Y'a pas de cac? Isha, prends ton kit. Un kit? Oui, ton kit. J'ai mis 10 ans, hein. C'est... Y a eu une latence entre le cerveau. Tu te souviens que t'avais oublié ton kit au début de la campagne? Oui. Tu te souviens comment c'est un peu anti-survie? Ils ont kit. Le chat arrive. Une bile. Une bile. Non. Bile. Elle vient de faire un câlin, accepte-la. Fais-lui des câlins. Mais non, elle vient pas me faire un câlin, elle vient bouffer mon fil. Prends-la sur toi, je te jure, prends-la sur toi, elle vient de faire un câlin. Tu peux pas. Oh, non, toi tu dégages, le jockey de tes morts, tu dégages, je veux pas tu te voir. Tu dis que tu veux pas. Ouais. Mais me tirez pas dessus. On essaye de te sauver, ok? Il y a des zombies. Ça fait pas de dégâts ce pistolet! J'ai l'impression de tirer avec un nerf! Encore un nerf, au moins tu verrais l'impact, quoi! On arrête! Alors, elle te fait un câlin ou pas? Non. Elle veut pas venir, elle reste derrière l'écran. Comment veux-tu que je t'attrape si elle est derrière l'écran? Ah, c'est bon le câlin. J'ai saisi. Un désert de sur la scène, Exia. Exia, tu es sauvé. Un amour. Un amour de 10 gueules et un pompe. Alors, ma belle. Oh. Bon, on va se remettre à l'endroit que j'avais, qu'on avait trouvé. La caresse, ça la force à bouger. Les kits, ils sont. Ils sont pas sur la scène, ils sont en haut. Oh, ma belle. Chiant. Accepte les câlins. Des molotovs en bas. Perds ta jambe, toi. Hé hey, fais pas tomber. Moi, je sais pas, avec moi, je ferai un câlin après le live. La pousse, là. On est caresse, elle avance vers toi. Avec moi. Oh. Là, elle est en train de faire. Elle est en train. Ok, j'ai compris, tu veux pas. Bah, très bien. Tu vois, je t'avais dit qu'elle voulait pas. Et elle râle, et quand tu lui donnes de l'attention, elle râle aussi. Elle est maligne. Ah ouais, bah exactement, c'est ça mon problème. Elle veut l'attention, mais quand je lui donne, elle veut plus. Alors, le DJ, le bouton du DJ. Du bois. Ouais, du bois. Ouais. J'imagine en train de balancer une bûche dans le public, tu sais. Ah, on voit du bois. Mais dis, ton doigt il est cassé. C'est bon, tout le monde en place? Moi c'est bon, je suis prête. Attends, j'ai pas fini de mettre des trucs de partout pour faire du feu et tout le bordel. Fais attention quand même qu'on brûle pas partout. Voilà, et oublie pas que si tout explose d'un coup, ça ne sert plus à rien. Non, t'inquiète pas. Ah, attends, je vais regarder où sont les doses. Bah alors, mouchacha. On va prendre un molotov. Alors. Dose d'adrénaline. De l'attention. Là, un petit chat au câlin. Et moi, ça me va plutôt bien, ça. Moi, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Elle est pas contente. Ou qu'elle part en courant. Elle est pas contente, hein. Je sais pas pourquoi, mais elle est pas contente. Mais quelle heure? Mais pourtant, elle est même pas l'heure de sortir dans le couloir. C'est quoi? Ah non. Ok, bah c'est parti, tu peux le envoyer. C'est juste qu'on a dépassé notre heure de live, du coup, elle est pas contente. 20 minutes, elle dit, c'est qui va dans le canapé, là, maintenant? Normalement, vous arrêtez, hein. Non mais... Normalement, c'est à moi que vous tenez attention. À moi. À moi que vous parlez. Il t'arrive vers toi. Ah, Exia, t'as pris ma place. Bon courage. Non, c'est pas ça, j'ai pas pris ta place. C'est juste qu'en fait, je voulais attraper le Jaikan qui était au fond. Ah bah, je vais prendre ma place alors. Oubliez pas que vous avez des kits de soins et oubliez pas de vous mettre contre un mur. Je suis contre un mur. Je dis ça pour Isha surtout. Non, mais je vais me mettre ici parce que sinon, il y a trop de zombies qui arrivent de la droite. Genre, les boomers, ils peuvent se mettre en haut et foutre la merde. Mais non. Mais si. Un smoke.
Pourquoi j'ai parlé à coach? Qu'est-ce que je lui demandais? Pisez le clown! Ah! Ah, mince. Trop près. Mince. Ah! Alors, est-ce qu'il est vite les balles. Ah, par contre, les munitions, elles sont juste à côté. Droite. Ah! L'esquive. À droite. Toute. Bon, attends, allez. Ouais, dégage, le smoker. Oh, il a balancé un rocher. Youhou! Le panic fire mode, voilà, il est trop bien. Vraiment, j'ai joué des zooms, ça fait bam. À quel moment je vais soigner coach? Bah non. Bah alors, merde, coach. Vous avez cru que j'étais qui, infirmière ou quoi? On est constipé. Parfait. Coach, il a qu'à se soigner tout seul. J'avoue. Coach, t'as du soin. Non, il a pas de soin. T'avais qu'à avoir du soin. Oh strike. Non, il m'a pas eu, donc c'est pas un strike. Sperd. Bah, mets-toi ailleurs. Laisse-toi. Boomer. Ah bah. Bien joué. Elle est trop forte. Deux. Bah, t'as eu la boomer. Le boomer. Ah, spiteuse. Bah, ouais. Elle était prévisible. Cette conne. Ah, je suis une tourelle, hein. C'est, je me suis retourné, j'ai mis deux balles. Genre, je l'avais sur le radar, hop. Parfait. C'est vraiment la meilleure arme pour tuer des spéciaux, celle-là. Oh, je me suis retourné, je me suis dit c'est juste un zombie qui est contre moi. Puis d'un coup, je remarque que c'est pas juste un zombie. Non, juste un zombie. Je viens de voir un cadavre qui a glissé des escaliers à côté de moi. Attends, il est où le jockey là? Il y a un jockey. Il a déjà cramé le jockey. Il est il est grillé le jockey. Parfait. Ah, c'est le tank, ça va être le tank. Vous. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que le jerrycan que j'avais prévu pour le tank, il est parti en flamme là. Pas grave, il en reste un. Ah, aidez-moi! Au secours! J'arrive, je vais t'aider. Il me tabasse! Ah bah. Je peux pas, je suis acidé. Ah non, normalement je t'ai libéré, ouais. Chat. Et. Il brûle? Non, pas encore. Bah, c'est moi qui crame. Je vais prendre un soin pendant que c'est la guerre. Il va crever, oui. C'est bon, il est mort. Il est mort. Par contre, Boomer. Le pilote nous a vu, ouais. À gauche ou droite, faites vos paris maintenant, vous avez 5 secondes. Et c'était à gauche. Et ben non, il va à droite. C'était un piège. Non, il va à gauche. Et il va à gauche, à droite. Tout le monde dans l'hélico. Vous Sauf pouvez toi, tirer coach. Depuis ici pour en tuer un maximum. Sauf toi, coach, tu vas pas dans l'hélico, toi. Le clown décolle. Ah, bah, coach qui s'est pris de cailloux dans les dents. entre les maxillaires, là. Au revoir, coach. Voilà, le voir de coach. Salon, coach. Salon, coach. Coach dans son propre rôle, repose en paix. Décédé. C'est une pepperoni. T'as trois fois terre. La vache, je suis la terre billarde de l'équipe. Une bouteille de bile. Quoi, les coups de poing, ils comptent pas en coup corps à corps? Incroyable. Waouh. J'en aurais eu deux, moi.
Moi, ça a compté plus le côté tronçonneuse à cause de... J'ai eu une witch, comment ça j'ai eu une witch? Bah ouais, à un moment, t'as dû en tuer une par une défense. Il y en a une qui est morte sur le chemin comme ça, elle a fait... T'as exilé à bordel. Le nombre de TK, ça va. Exia. Et... 23%. C'est coach, ça compte pas. 23%. Non, il n'y a pas que coach. J'ai mis des deux chargeurs sur coach parce qu'il me saoulait. Tiré dessus. 23% quand même. Oui, mais j'ai vidé deux chargeurs sur coach parce qu'il m'énervait, donc ça doit compter pour vous. 23%. Bon, bah, ceux dans le chat, on va vous laisser là après ce finalement enfin bon jeu. Et on va vous envoyer chez... Là, je deviens vieux, ça s'entend. Mais oui, espèce de salaud. Je suis en train de bâiller. J'ai plus le chat. Et où le chat? Où est le chat? Qui est devenu le chat? Où est devenu le chat? Je sais pas, j'ai dû cliquer sur un truc, j'ai... Bon alors, mon chat, à nous deux. Bon. Alors, qui est-ce qui a raid? Il y a Zekia et Nigius. Nigius. Viens ici. Nigius. Viens. Qu'est-ce qu'on raid? Viens, mon chat. J'ai des pubs des deux côtés, donc je n'ai absolument aucune idée. Viens, ça fait longtemps qu'on a raid Azekia. On va raid Azekia. Azekia. Hop et là. On a du coup passé une bonne soirée. Soyez gentil comme tout. Pas de bêtises. Attention. Soyez sage. Et on vous retrouve demain. Bye bye. Ah oui, demain c'est la soirée avec tout le monde. Oui, c'est la soirée avec tout le monde. On sait pas quel jeu c'est, mais c'est la soirée avec tout le monde. Attends, est-ce qu'on aura tout le monde? Parce que normalement, bon, à part si Sora il fait encore un oversleep, normalement on aura tout le monde, donc c'est avec le retour dans le vaisseau. Bye bye. Plus de gens dans le vaisseau. Plus. Bye bye. Plus de gens dans le vaisseau. Bon. Je sais que tout à l'heure, elle redit des bye bye. Mais du coup, ouais, je change maintenant. Le...